Salut, bonjour à toutes et à tous. Salut les amis, excusez-nous du retard. Hein, on discutait un petit peu sur la façon de faire. Et nous sommes sur Fréquence Radio en direct avec Thierry Hassion. Salut Thierry, comment vas-tu? Bonjour, tout va bien. Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tout le monde, oui, bonjour à Corto qui est avec nous. Salut Corto, comment vas-tu, mon ami? Modiano, comment vas-tu, la sœurette? Modiano, Don Stefano, comment vas-tu? Nathalie Doutre, comment vas-tu? La sœurette, Don Stefano, le frérot, Jean Tertian, Jean, comment vas-tu, mon frérot? Ça va bien, tranquille, la famille. Et bien voilà, Jean qui est de Marseille. Et bien voilà, mais comme Thierry qui est un pur Marseillais. Et donc, ben, vous connaissez en gros l'histoire de Thierry, bien entendu. Mais on va quand même, voilà, quoi, parler. Encore une fois de son histoire, parce que comme vous le saviez, hier il y a eu un documentaire qui est sorti en grande partie sur Thierry. Je veux dire, sans Thierry, le documentaire il n'existait pas de toute façon. Donc ils auraient pu faire directement un documentaire que sur lui, quoi. Il fait 80% minimum du documentaire, mais il a été dit beaucoup de choses qui ne sont bah, la réalité, ce n'est pas la réalité, c'est leur réalité à eux, ils l'ont monté eux-mêmes, et heureusement, Thierry est là, sur Fréquence Radio, pour s'expliquer, et il va nous dire un peu tout ce qui a été vraiment raconté, et qui c'est de la pantalonnade, quoi, c'est de la rigolade, quoi. Alors Thierry, tu as vu le reportage, quoi, et tu avais déjà... Tu devais à l'origine faire un reportage avec ces gens, mais ils t'avaient pris différemment, quoi. Ils t'avaient expliqué les choses différemment. Oui, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai accepté de faire le documentaire, et là, on est en avril l'année dernière, parce que moi, j'ai toujours refusé de parler à la presse, etc., etc., même à l'époque, de 91 à 95, où ça s'est passé l'affaire, j'ai jamais dit un mot à la presse. Enfin, bref. J'ai pas confiance dans les journalistes. Je le sais par expérience dans mes autres affaires. Tout ce qui sort dans la presse, ça reflète pas ce qui s'est vraiment passé. Donc, je suis d'accord que pour faire du direct. Mais là, ils me prennent sous un angle et je dois dire, je le reconnais, je me suis fait baiser en beauté. Ils arrivent, ils me disent, non, mais vous êtes bloqué en Indonésie, il faut qu'on explique pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer en France. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi de 91 à 95, quand l'affaire s'est déroulée au Guatemala, donc pendant ces 4 ans, votre nom, il est toujours dans les journaux, à la télévision. Et par contre, il n'y a aucun mandat d'arrêt. Et il faut expliquer pourquoi. Et donc, à partir de là, moi, ça m'intéresse. Je dis, OK, moi, si vous parlez de ça, si vous parlez des comptes bancaires de Miami, et si vous expliquez pourquoi j'arrive pas à revenir en France, alors que je fais des pieds et des mains pour venir, je suis d'accord pour le documentaire. Et on commence à faire les interviews dans Zoom. Et petit à petit, les interviews, les questions, elles commencent à partir un peu bizarres, un peu orientées, etc., etc., tu vois. Et quand je vois que ça tourne comme ça, le 10 juin, l'année dernière, 2022, je leur notifie par email que le documentaire, il reflète pas les accords du départ, parce qu'ils me disent, ah oui, mais les comptes bancaires de Miami, on peut pas en parler. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, il faut peut-être que j'explique ces comptes bancaires, pourquoi ils sont si importants. C'est que, quand moi, j'en parle à l'époque, on dit que j'affabule, et après, on me libère, et après, on croit que je suis mort. Le juge d'instruction de l'époque, Gilberti, là, pensant que je suis mort, quand il prend sa retraite,
il écrit un livre, on ne réveille pas un juge qui dort, et dans le livre, baf, il dit que les comptes de Miami existent vraiment, mais que lui, il n'a pas pu les vérifier, parce que quand il est allé là-bas, le FBI l'a empêché de vérifier les comptes. Ça, c'est noir et blanc dans le livre du juge. Donc, je suis pas mort. Je dis OK. Et là, le journaliste, il commence à faire machine arrière. Ils me disent, bon, nous, on ne peut pas parler du juge parce que blablabli, parce que blablabla. J'ai dit OK. Vous mettez juste la photo, la couverture du livre, les passages du livre dans le documentaire. Et moi, je commente. Et ils me disent, ah non, on ne peut pas mettre la photo du livre parce qu'il nous faut l'autorisation, etc., etc., etc. Je comprends qu'il y a magouille, et le 10 juin, je balance ma lettre, mon refus catégorique, et à partir de là, rien ne se passe. 2 mois plus tard, on me téléphone des Philippines, on me dit, hey, il y a un journaliste qui a téléphoné, il dit ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais quitté les Philippines, mais j'ai tout laissé là-bas. Voiture, maison. Je suis parti qu'avec les 2 chiens sur le voilier pour la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas loin des Philippines. Parce que c'était la pandémie, que tout était bloqué, qu'on ne peut pas prendre l'avion. Je me suis dit, bon, écoute, on va en Nouvelle-Calédonie avec le bateau. Et quand la pandémie s'arrête, on revient aux Philippines. Bref. La tempête, le gros bordel, je me retrouve bloqué en Indonésie. Et pendant que je suis ici, le journaliste dont j'ai interdit, Louis Milano Dupont, pour ne pas le citer, il contacte ma société aux Philippines, qui est parfaitement en règle, et il commence à raconter que jamais je vais revenir, je vais finir ma vie en prison, je suis un assassin, un braqueur de banque, etc., etc. Au directeur de ma société. Et bien sûr, ça part comme une traînée de poudre. On me contacte, on m'explique, on me demande c'est quoi ces histoires. Et moi, je nie pas, je dis oui, c'est vrai. Mais le problème, il est où? La société existe, les produits existent, la patente, elle existe. OK, c'est pas mon nom, mais ça efface pas ce que j'ai créé aux Philippines. Et j'appelle ce journaliste et je l'insulte de tous les noms. Bien sûr, on peut imaginer. Et le résultat, il est que le documentaire d'hier, totalement à charge, il ment, mais heureusement, par exemple, quand il dit qu'il a vérifié à British Columbia, à l'université de British Columbia, où je fais tester mon invention, c'est quand même, je suis sûr de moi, que ça marche. Il dit qu'ils ont dit que ça marchait pas. Alors déjà, une chose, il a appelé British Columbia pour leur dire si j'étais au courant que j'étais en repris de justice. 1. 2, manque de chance pour lui. British Columbia, ils ont publié le résultat de leur essai avec mon invention. Donc, et la publication, elle est en ligne. Tout le monde peut la trouver. Et il déclare que ça marche 100%, même mieux. Ils obtiennent une bourse de 100 000 dollars du gouvernement pour passer en phase 2 de la recherche sur ce nouveau produit que j'ai inventé. Donc, c'est que ça marche vraiment. Et à partir de là, on a
la guerre que j'ai déclarée avec ce journaliste, le résultat il est là, c'est pas déontologique, c'est partial. Il me donne plus du tout le droit à la parole parce qu'il interroge les gens là-bas, fait interroger, façon de parler. Il parle aux gens là-bas, il parle à qui il veut. Il va pas chez moi. Il va pas interroger mes employés dans mon bureau. Il va pas interroger ma femme de ménage à la maison. Il montre ce qu'il veut. Il laisse sous-entendre que j'étais en fuite des Philippines, ce qui est totalement faux. Et il me donne pas la parole sur ce que ces gens ont dit, parce qu'en fait, je voulais pas faire le documentaire. Et il décide quand même de publier. Je l'ai su le 17 janvier. On a refait la nouvelle interdiction. Et le mec, il dit, France 2 dit que ils ont investi trop d'argent et de temps dans ce documentaire. Ils peuvent pas l'interdire. Alors que l'interdiction, elle a eu lieu, je l'ai notifié depuis juin l'année dernière. Donc, ils ont eu tout le temps. Et le mec, il est quand même parti aux Philippines après que j'ai notifié l'interdiction. Alors, de quoi ils n'ont pas eu le temps? Ils ont construit le documentaire après que je leur ai notifié officiellement. J'ai la preuve, j'ai la copie, comme quoi je ne voulais pas participer à ce documentaire. Mais ça, c'est le problème aujourd'hui des journalistes. Parce que quand tu suis pas les news, quand tu sais pas les nouvelles, t'es pas informé, et quand tu les suis, t'es désinformé. Et plus personne n'a confiance dans les journalistes. Alors, moi, c'est mon point de vue sur ce documentaire. Il y a des mensonges, il est partial, il est pas équitable, il est mesquin. Il n'y a aucune déontologie de la part du journaliste. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que des journalistes, de vrais journalistes, ils regardent ce documentaire et ils commentent la déontologie du journaliste, si le documentaire, il est inique ou il n'est pas inique. Si le documentaire, il est partial ou il n'est pas impartial, et si les droits ont été respectés, au moins de me donner la parole suite aux prétendues accusations. Parce que il présente John Estrada qui se fait passer pour une victime effarouchée, alors que le mec, il n'est même pas associé dans ma boîte. Ouais. Le mec, c'était un endorseur. Tu peux nous expliquer ce qu'est un endorseur, oui. Un endorseur, c'est quelqu'un de connu, voilà. qui présente les produits. Alors, lui, il se fait passer pour n'importe quel produit, des produits de beauté ou. Comment t'appelles ça, de sa notoriété. Voilà. Non, mais il faut mettre les choses à leur valeur. Le mec, le journaliste le présente comme une star de cinéma aux Philippines. Je veux dire, excusez-moi, les stars de cinéma aux Philippines, ils vont faire la publicité pour Toyota, Mercedes ou Rolex. Ils vont pas faire la publicité pour l'anti-moustique de Dr. Martin. Faut arrêter les conneries, là. C'est un petit acteur de série B. C'est vrai qu'il est connu avec le peuple, avec la basse classe, parce que il faisait rire, etc., etc. Et sa femme, elle est connue aussi, parce que sa femme, elle a été Miss Philippines. Miss Brésil au début, hein. Non, elle a jamais été Miss Brésil. Elle a été une pageante. Elle a fait une petite Miss.
C'était une petite pute, faut le. J'ai rien contre les putes. C'était une petite pute. Elle débarque aux Philippines avec son truc de Miss, je sais plus quoi, là. Elle tombe sur John, qui était à l'époque un acteur. Je parle de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, elle tombe à l'époque sur John qui démarrait et qui était l'acteur qui montait. Elle lui met le grappin dessus. Il se marie. La carrière de John, elle chute. Et il fait des produits d'endorsement. Il va, ça peut être n'importe quel produit. Puis voilà. Bon, enfin, bref. Enfin, c'est pas le problème. Chacun gagne sa vie comme il veut. C'est pas le problème. Le problème, il est qu'ils se fait passer comme ils se font passer comme mes associés. Oui. Alors qu'ils sont pas associés. C'est des endorseurs. C'est eux qui promotent nos produits lors de présentations ou sur Internet, Twitter, Instagram, ou etc., etc., etc. Voilà. Bref. Mais c'est des victimes, et il dit que oh, il a joint ce projet parce qu'il voulait sauver des pauvres petits Philippins, les enfants philippins atteints de la dengue. Enfin, quand tu connais le mec, crois-moi, il est loin, c'est pas Mère Teresa. Voilà, je veux dire comme ça. Bref. J'ai pas fui les Philippines. Je en ai parti parce que c'était le Covid. J'ai pris mes deux chiens parce que je voulais pas laisser les chiens tout seuls aux Philippines pendant que j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et je pensais rentrer et j'ai pas pu rentrer et je suis bloqué en Indonésie. Alors là aussi, il dit qu'il y a une extradition alors que moi j'ai les documents parce que tout ce que je dis là, je vous informe. J'ai les documents. Si j'ai pas de preuves, je ferme ma gueule. C'est comme quand t'es au tribunal. Ce que tu dis, c'est pas important. C'est ce que tu peux prouver qui est important. Alors ici, c'est pareil. Ce que je dis, ça n'a pas d'importance, c'est ce que je peux prouver. Donc, je peux prouver qu'il n'y a pas d'extradition qui me concerne. Voilà. Que je suis détenu en Indonésie, depuis 17 mois maintenant, parce que j'ai perdu mon passeport que la France ne veut pas renouveler. Que je suis détenu, toujours détenu, alors que les Indonésiens ont tenté à 3 reprises de m'expulser et qu'à chaque fois, la France a fait annuler mon expulsion. Elle a fait annuler comment ? Parce qu'elle n'a pas le droit. Je suis français. Ils n'ont pas le droit. Donc, ils fournissent le laissez-passer, qui est valable 48 heures, mais ils préviennent la compagnie aérienne et ils lancent une alerte code 3, qu'on appelle, comme quoi je suis un danger pour les autres passagers. Et ça, j'ai aussi la preuve, j'ai la preuve écrite de la compagnie aérienne qui dit que c'est le consulat de France. Et le consul Sébastien Lallemand qui leur a envoyé un email en demandant mon refus d'embarquement. 2, j'ai la vidéo quand les Indonésiens se sont plaints parce que ça a fait une petite un cafouillage diplomatique. J'ai la vidéo du Zoom meeting entre le consulat et les Indonésiens qui lui demande de s'expliquer pourquoi il intervient dans une expulsion qui ne les regarde pas, parce que je suis expulsé administrativement par le gouvernement indonésien. Et à partir de là, à part remettre mon titre de voyage, la France, elle n'a pas à intervenir. Le mec, il dit dans la vidéo, « Oh, ben c'est pas moi, c'est la compagnie aérienne qui a pris la décision. » Et troisième preuve, j'ai l'enregistrement téléphonique de ce même consul de France, Sébastien Lallemand, qui dit dans la conversation au téléphone que l'email qui a été présenté par la compagnie aérienne est un faux email.
Alors, ah. Comment, pourquoi tu veux que la compagnie aérienne, elle va faire un faux email pour refuser que je monte dans l'avion? Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Le problème, il est février 4, annulé. Février 28, annulé. Et non, mais attends, j'oublie un passage extraordinaire. Oui. À mes yeux, extraordinaire. Le 18 novembre, quand les Indonésiens ils disent que je ne peux pas être extradé et que je ne peux pas être arrêté, ils demandent à la France de délivrer mon titre de voyage parce que j'ai perdu mon passeport. J'ai le courrier des Indonésiens, du ministère de la Justice indonésienne et de l'immigration indonésienne. Voilà. Et là, qu'est-ce que la... Donc là, on est le 18 novembre. Je suis arrêté depuis le 8 octobre. La fameuse fiche d'Interpol est arrivée le 21 octobre et les Indonésiens ils nous disent, mais écoutez, nous, cette fiche d'Interpol, on la reconnaît pas parce que elle a été lancée en 1999 pour une condamnation qui a lieu un an plus tard. Comment est-ce que vous pouvez être recherché alors que la condamnation, elle n'a pas eu lieu? C'est impossible, on est d'accord. Oui. Et en 1999, je rappelle tout le monde que j'étais encore en prison. J'ai été libéré qu'en 2000. En 2000, oui. Alors, et comment que quand je suis en prison, ouais, pour la même affaire, comment quand je suis en prison, Interpol, il veut lancer un mandat d'arrêt contre moi pour une condamnation à perpétuité qui interviendra par défaut qu'un an plus tard. C'est impossible, on est d'accord. Et puis c'est pourtant c'est ce qui est marqué dans la notice rouge d'Interpol que j'ai. Bref, les Indonésiens, ils disent, écoutez, c'est quoi ces conneries? Nous, on vous arrête pas. C'est pour ça qu'on trouve sur YouTube des vidéos où je suis à l'hôtel en attendant, parce qu'ils nous disent, bon, écoute, nous, on t'arrête pas, mais tu, comme tu n'as pas de passeport, tu as perdu ton passeport, tu ne peux pas partir. Et le consulat nous dit qu'il y a des policiers français qui veulent venir te parler. Alors, s'il te plaît, reste à Manado, à la ville, à l'hôtel. Il dit, OK, pas de problème. Le 18, donc, et là, les flics français, quand ils balancent la notice rouge, ils ont un délai de 20 jours pour demander l'extradition. Et les Français ne demandent pas l'extradition non plus. Donc, le 18 novembre, le ministère de la Justice indonésienne déclare sur le courrier que la France n'a pas fait de demande d'extradition, que je n'ai commis aucun délit en Indonésie, et par conséquent, je ne peux être ni arrêté, ni incarcéré, mais que je dois être remis sous l'autorité de l'immigration pour régler mon problème de passeport. Et là, l'immigration demande au consulat de délivrer mon titre de voyage pour procéder à mon expulsion. Et mes amis, je vous le donne en mille, le consulat, il dit quoi? Ah ben, on ne peut pas délivrer de titre de voyage parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le vrai Thierry Ascione. Alors, c'est grave. Alors, il te balance un mandat d'arrêt. Ils demandent mon arrestation. Et après, ils balancent pas ils font pas la demande d'extradition. Et quand les Indonésiens, ils veulent m'expulser, ils me disent, ah ben non, on n'est pas sûr que ce soit le bon Thierry Ascione. En fait, c'est pour gagner du temps. Et comment ils savent que je suis vraiment Thierry Ascione? Comment l'administration française, le gouvernement français, qui se permet de donner des leçons à la planète entière sur les droits de l'homme, etc., etc., comment croyez-vous qu'ils vérifient que je sois vraiment Thierry Ascione? Alors, je vous le dis, le 14 janvier 2022, ils envoient un email à mon frère Norbert avec ma photo et ils disent « Pouvez-vous nous confirmer que cette photo, c'est bien votre frère Thierry Ascione ?»
Alors, tu parles d'une vérification, franchement. C'est pas très pro, hein. Ouais. Non, non, c'est prendre des gens pour des cons. Carrément. Et, si. Ouais, bah, moi, demain, je vais faire venir 50 étrangers en France. Hein, et je vais dire, ah non, je vais dire par email. Hein, non, c'est bien mon frère, c'est bien mon soeur, c'est bien ma cousine, c'est bien ma grand-mère, c'est bien ma belle-sœur. Et on va leur donner un laissez-passer pour venir en France. Hein. Ça tient pas debout. C'est bidon. C'était juste qu'ils pouvaient pas refuser aux Indonésiens de délivrer mon laissez-passer. Donc, ils ont trouvé une excuse. Bref, le 4, ils délivrent le cadre. Ça, c'était le 17 janvier. Le 4 février, ils délivrent un laissez-passer. Le lendemain, ils annulent le laissez-passer. J'ai la lettre. Paris vient de m'informer que l'expulsion de M. Hachon ne peut pas avoir lieu demain. Je devais être expulsé le 6. Donc, il donne le laissez-passer le 4. Le 5, il annule. Le 6, je ne peux pas partir. Les Indonésiens qui avaient le laissez-passer, qui, la première fois, était valable un mois, ils disent, bon, les Français nous prennent pour des cons. On va utiliser le laissez-passer avant qu'il expire. D'où mon expulsion du 28 février. Et là, on arrive à l'aéroport et l'agent de KLM nous dit, au moment d'enregistrer, l'agent KLM dit, Monsieur Hachon, vous pouvez pas enregistrer, vous pouvez pas embarquer. Ah bon, et pourquoi? Ben, on a reçu un courrier de votre ambassade qui nous demande de vous refuser l'embarquement parce qu'ils disent que vous pouvez être en danger pour les autres passagers. Mmh. Ah bon, et d'où la lettre de la compagnie aérienne que le consul a après dit que c'est un faux. Bref, je retourne en détention. Et là, bras de fer entre la France et l'Indonésie, les Indonésiens accusent le gouvernement français de pas les respecter, d'agir dans leur dos, etc. Enfin, c'est tendu. Finalement, le 15 janvier, nouvelle expulsion. Nouveau courrier qui est délivré par le consulat de France une fois de plus. Donc le 15 janvier, c'était le mois dernier. Et ce courrier de KLM qui dit « Monsieur Hachon n'est pas autorisé à transiter par Amsterdam, c'est pour ça que l'expulsion doit être annulée. » Il n'y a qu'un petit problème, monsieur le consul de France, parce qu'il a fait l'ENA, l'École nationale d'administration. Mais en fait, lui, il a fait l'École nationale des ânes. C'est pas l'École nationale d'administration. Parce que mon billet d'avion, c'est Jakarta-Singapour, Singapour-Paris. Alors, ok, je suis pas autorisé à transiter par Amsterdam. C'est bien. Je m'en fous, je transite pas par Amsterdam. Mon vol, c'est Singapour-Paris. Et là, une fois de plus, KLM dit, mais nous, on n'est pas au courant de cette lettre. Wow. L'immigration dit, mais c'est le consulat qui nous a transmis la lettre. Il vérifie avec KLM. KLM dit, mais nous, on n'est pas au courant. Et voilà où on en est. Alors qu'on m'explique pourquoi, et ça, n'importe qui peut vérifier, j'ai tous les documents pour le prouver. Si un journaliste qui écoute, je suis prêt à lui envoyer toutes les preuves matérielles, s'il publie. Exactement. Quoi. Oui, alors, pourquoi on ne veut pas que je rentre en France? Oui. Moi, je vais vous le dire. Oui. C'est mon opinion.
Alors, on a été. Alors, Thierry, excuse-moi, juste, je te rends la parole aussitôt. Tu es très intéressant et c'est très, très, très important ce que tu dis et tu es très bon. Nous avons été rejoints par Maria. Maria, que tu connais, Maria la sœurette, elle est avec nous. Et bonjour, elle a... monsieur bonjour, Thierry. Bonjour Jojo. C'est un plaisir. J'ai pensé à vous et il y avait une fille aussi, Joël, qui de temps en temps, on parlait un peu de vous. Qu'est-ce qu'il devient, tout ça. Donc je crois que vous êtes en meilleure santé. Ça c'est déjà beaucoup. Et donc oui. Je vous laisse la parole parce que c'est vous qui êtes intéressant. Et bonjour le chat de tout le monde. Allez, bonjour à tous. Bonjour okay, Jamel, merci. Domenico, bonjour à vous toutes et vous tous, les amis. Merci Thierry. Voilà. Donc, mon retour en France, l'impossibilité que je rentre en France, il est pas juridique. Parce que déjà, je suis français et la France n'a pas le droit de m'interdire à revenir dans mon pays. On est d'accord? C'est pour ça. Qui donne les laissez-passer, mais qui demande aux compagnies aériennes de refuser mon embarquement, alors qu'ils n'ont même pas le droit de le faire. Parce que ceux qui m'expulsent, ce n'est pas les Français, ce sont les Indonésiens. Maintenant, la question, il faut leur demander à eux, pourquoi ils n'ont pas demandé mon extradition? Dans les délais. Attends, je précise. Pourquoi ils n'ont pas demandé l'extradition dans mes délais? Parce qu'en fait, cette demande d'extradition, elle va arriver. Et elle sera rejetée par les Indonésiens le 7 janvier 2022. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été présentée dans les délais légaux. Alors, comment un pays comme la France, qui, je le répète, donne des leçons de morale à tout le monde, ils peuvent oublier de demander mon extradition? C'est quand même extraordinaire. Ça ressemble à une méchante... Alors, ça explique aussi pourquoi la réaction des mecs, des flics dans le documentaire, qu'ils n'osent pas trop rien dire. T'as vu le mec de... C'est le mec de recherche, là. Le magistrat. Il dit, il faut demander à l'Indonésie, demander aux Philippines. Tu sais, le mec, il tire son épingle du jeu, tu vois, carrément. Ouais, il se décharge sur les autres. Hein. C'est pas nous, c'est les autres. Voilà, il dit, il faut demander aux Indonésiens, il faut demander aux Philippinois. Mais non, il faut te demander à toi, pourquoi tu n'as pas fait ma demande d'extradition? C'est ce que le journaliste aurait dû lui dire. Mais ils n'en parlent pas. Il dit qu'il y a une demande d'extradition, alors que le journaliste, il sait très bien que la demande d'extradition, elle a été rejetée parce que je lui avais donné la copie du rejet. Il le sait parfaitement. Mais il laisse sous-entendre que je ne peux pas revenir en France parce que l'extradition est en cours. Donc ça prouve bien que le documentaire est totalement orienté. Enfin, bref. Je ne peux pas revenir en France. Ils ne veulent pas que je revienne en France. Ce n'est pas une question juridique, je l'ai déjà dit. Je suis français, ils ne peuvent pas m'empêcher de venir. C'est que tant que je n'ai pas un pied en France, il n'y a personne qui peut obtenir mon dossier d'instruction. Mon avocate ne peut pas avoir mon dossier d'instruction. Et pourquoi elle ne peut pas avoir mon dossier d'instruction ? Pourquoi je ne peux pas revenir, c'est uniquement pour ça. Parce que dans mon dossier d'instruction, s'il est complet, je dis bien s'il est complet, il y a tous les comptes bancaires de Miami. Il y a l'interrogatoire de Pierre Lelouch, le politicien, qui moi je dis, c'est lui qui a vidé les comptes de Miami. C'est pas moi. Les comptes de Miami, ils ne m'appartiennent pas. Ils sont ni à mon nom, contrairement à ce que prétend l'accusation, je dis bien les comptes de Miami. Je ne parle pas des deux chèques bidons, là. Je parle des comptes de Miami. Okay. Il y avait entre 20 et 30 millions de dollars. Okay. Waouh, voilà. C'était le blanchiment.
de Gregorio Valdés O'Connell. Il blanchissait son fric en France avec le restaurateur assassiné qui, lui, était représentant de l'Union des Français à l'étranger, RPR et machin chose. Avec ses petits copains du RPR, il blanchissait l'argent en France et puis ça a mal tourné. Bref. Donc, le problème, il est que pour couvrir cette histoire, ils ont laissé condamner les deux gamins au Guatemala. Mmh. Les Guatémaltèques, ils étaient super contents. Ils vont pas aller s'attaquer au narco Gregorio Valdés O'Connell. Et moi, ma déclaration, elle date de 95. Alors que O'Connell sera publiquement accusé de narcotrafic 6 ans plus tard. Donc, comment moi, avant, je le sais ? C'est que j'ai les bonnes informations quand même. J'étais au Guatemala, je le sais. Bref, deuxième point. Donc, sans ces comptes de Miami, tant que je suis pas en France, ces comptes de Miami, ils peuvent pas apparaître et on peut pas prouver le financement politique avec les narcodollars et l'implication de la victime, parce que les comptes de Miami sont au nom de la victime. Ils sont pas à mon nom. Donc, on voit bien que le mec, il aurait pu être tué pour autre chose que l'accusation bidon. Parce que il faut pas oublier, ce qu'on oublie aussi, c'est les tortures. Quand tu vois les tortures, les mecs, ils sont kidnappés, enfin, le couple, il est kidnappé. Sur la route de l'aéroport, alors qu'ils prennent l'avion pour Miami pour aller faire une croisière dans les Caraïbes, avec l'avocat de Gregorio Valdés O'Connell et sa femme, Pivaral, qui est aussi l'ami des victimes. Enfin, bref, ils sont kidnappés et là, ils sont torturés. Mais torturés, pas des sauvageries, torturés au couteau. Ils commencent à être dépecés, on commence à leur crever les yeux, on leur coupe les ongles, enfin, les torture, et même mieux... Il y avait des professionnels qui peuvent faire ça, Thierry. Pas 3 Français... Voilà, c'est ce que je dis. Même mieux. Oui. Bon, ils jettent les cadavres sur la route avec la langue tranchée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'archevêque du Guatemala, il déclare à la presse, dans Prensa Libre, il déclare, quand il a appris les méthodes de torture et le lieu où a été découvert les cadavres, ils ont immédiatement su que c'était un règlement de compte entre narcotrafiquants. Le mec, il le dit, c'est l'archevêque qui le dit. Les experts, ils disent que les tortures, c'est les tortures des escadrons de la mort de l'armée guatémaltèque. Voilà. Alors, comment après, les Français ils te disent « Ah non, c'est vous qui avez ordonné, commandité, et c'est moi qui ai commandité les assassinats. » Alors, ça aussi, c'est bien. J'ai commandité les assassinats, mais ils ne savent pas qui, et ils disent dans l'acte d'accusation par menace, promesse ou paiement. Alors, ils ne savent pas à qui j'ai commandité et ils ne savent pas comment j'ai rétribué ceux qui ont fait le truc. En fait, ils ne savent rien du tout. Ouais. Et ça ne les empêche pas de me mener jusqu'aux assises. Pourquoi ? Parce que j'ai un casier judiciaire. Voilà. Et que O'Connell et le point aussi qui est important. Le problème, et ce qui est aussi important, dans le documentaire, on voit bien tous les articles de journaux qui présentent avec ma photo, avec les chèques,
avec les chèques, tiens, ce qu'il présente, l'article avec les deux chèques. Ceux qui parlent espagnol, ils vont voir qu'il y a un des chèques avec un tampon marqué pagado. 9 décembre 1991. 9 décembre, ils sont assassinés le 28, le 29. Hein. 20 jours. Aïe. Aïe. Alors, on est suivi, on est écouté. Voilà. Si vous voulez savoir, les amis. Oui, après, il y a des gens comme Courteau qui a une question. On pourrait, par exemple, après, si on pourrait après poser quelques questions intéressantes. Oui, à répondre à toutes les questions, oui. À la rigueur, si le chèque est espagnol, Maria, ouais, peut-être que tu pourrais regarder et essayer de comprendre, parce que bon, tu le prends couramment. Oui, mais il faudrait que je le voie. Il faudrait que tu le vois, ouais. Mais il est sûr d'une chose, c'est que Valdez O'Coniel est quand même un poids lourd à l'époque au Guatemala, quoi. C'est un intouchable, c'est une personne très très haute, très très influente. Et quand on parle des deux chèques récupérés par Thierry, il s'agit de misérables chèques de 30 000 et quelques 35 000 dollars et de 22 000 dollars, quoi. Quand on pense à ce qu'il y avait dans les, si vraiment il avait voulu voler, faire quelque chose, faire parler ces gens, les torturant de façon professionnelle, où seuls des professionnels sont capables de faire un travail comme celui-là, d'être aussi précis dans la façon de découper les corps, dans la façon de faire souffrir, c'est pas trois Français qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Qui du jour au lendemain, comme ça, vont se donner une. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Y a pas de. Et on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. 30, 40, peut-être plus. 30, 40 millions de dollars, quoi. Donc, qu'est-ce que 30 000, 20 000 dollars sur une somme de 30. 40 millions de dollars. Je veux dire, si vous torturez des gens, c'est pas pour 50 000 dollars. Hein. Les 50 000, ils les ont fait, ils les ont. Voilà, quoi. Ils vivent très bien. Ils vont pas se mettre à découper des gens pour des sommes, j'ai envie de dire, aussi ridicules. Par contre, des gens qui sont attirés par 30, 40, 50 millions de dollars, eux, capables de faire toutes sortes de violences, donc crever des yeux. C'est pas la rigolade là, on est vraiment dans un truc. Ça s'est passé, bon, ça c'était il y a plus de 40 ans, mais wow. C'est il y a 30 ans, je veux dire, plutôt. Excusez-moi, pas 40 ans, 30 ans par là, à peu près. 25, 30 ans, 30 ans. Oui, Maria, pardon. Non, j'ai récupéré. Tu te rappelles le live qu'on avait fait avec lui ben, je l'ai. Ah, tu en as récupéré, d'accord. Parce que je vois que j'avais eu un archive, je ne sais pas comment dire, oui. Avec j'ai des photos du live, tu sais, on avait passé des photos, oui. Même un organigramme, tu te rappelles de l'organigramme. Mm-hmm. Et tu penses que demain tu pourras l'avoir mis en place? La vidéo? Oui. Non, parce que je n'ai plus accès à Fréquence Radio sur YouTube. Ah, mais attends, ça s'arrange, ça. Oui, ben on l'arrangera. Voilà. Oui, sur YouTube. D'accord, sur YouTube, ok. Sur YouTube,
Je crois que j'ai le mail, mais je me rappelle plus du mot de passe. Voilà. Donc, je ne peux pas accéder à YouTube Studio. La vidéo, elle dure 3h08. Ah, ben super, super. Ben écoute, je sais pas, je crois qu'elle était dans une des chaînes qu'on nous a virées ou elle est. Oui, oui, donc ils nous ont. Ouais. Ben je peux la remettre. Génial. Et là, j'ai l'organigramme que Thierry nous avait donné pour un peu expliquer et mettre en place qui est qui. Et donc, ouais, je vois la photo des restaurateurs, là. Après, je sais pas pourquoi j'ai Rachida Dati au milieu. Et un truc bizarre, c'est quoi ça? Ah, ben voilà, les îles où il est. Ouais, voilà, c'est un peu les photos que on avait utilisées dans cette vidéo. Oui. Et là, j'ai voilà une archive, un truc voilà, que j'avais gardé, que et donc des choses que j'avais récupérées. Donc voilà, comme c'était, ça s'appelle Thierry, donc. Donc bon, je sais pas s'il va pouvoir revenir. Ben, j'espère que oui. Des fois, c'est compliqué. J'espère que oui, c'est compliqué, surtout parce que certes, voilà, il faut dire qu'il est à l'autre bout du monde. Voilà, il est à l'autre plus, bout du monde et il est surveillé. Je veux dire, voilà, les amis. Enfin, voilà, tout ce qui est écrit, tout ce qui est voilà, son histoire va très haut, quoi. Va très très haut et donc bon ben voilà quoi, nous sur Fréquence Radio, une partie d'entre nous, pas toute l'équipe de Fréquence Radio, mais une partie et pense que Thierry voilà s'est fait bananer et rentré dans un cercle vicieux où ben on essaye de cacher des choses, on essaye d'en faire dire d'autres, hein. On lui a monté un chantier comme on dit et on veut le faire taire, quoi. On veut le faire taire. Ce matin en me levant, j'ai prévenu Maria à 8h du matin, j'avais deux oiseaux morts devant ma porte d'entrée. Tu te rappelles, Maria, je les ai pris en photo, je te les ai envoyés, puis après voilà quoi. Des choses assez, Maria, assez spéciales, quoi. On peut pas tout dire à nos amis parce que j'ai peur qu'eux-mêmes aient peur, mais nous, on n'a pas peur, quoi. Voilà, quoi. On est là avec Thierry et. Voilà, quoi. Espérons que Thierry soit toujours vivant. Peut-être. C'est vraiment une histoire digne des plus grands polars, digne des plus grandes histoires. Vraiment, il faut bien connaître l'histoire pour voir que Thierry a peut-être à un moment été pas protégé, mais on s'est dit c'est bien, il repart d'un côté, on le surveille, tant qu'il ne parle pas. Tout va bien. Puis à partir du moment où il commence à avoir des problèmes, la justice ne sait pas trop quoi faire de lui, il commence à parler, et là, pam, tout va mal. Tout va mal pour Thierry, mais Thierry ne se laisse pas faire, quoi. Allô, allô. Allô Thierry, vous êtes là, tu es là mon ami. Ça, ben, voilà, on est là. Ouais, j'ai eu du mal à me reconnecter, j'avais pas de signal. Mmh. Oui, ah oui, oui, parce que tu es actuellement dans l'est ou l'ouest de l'Indonésie en fait, cette grande. Je suis à Jakarta. Tu es à Jakarta, oui, à la capitale, d'accord. D'accord. Ouais, à la capitale. À peu près dans le centre ouest du pays, quoi. Ouais. Alors, Thierry, comme tu le disais tout à l'heure. Des journalistes donc de cette émission Complément d'enquête t'ont fait un coup quoi. Donc
Donc, aujourd'hui, là, ici sur Fréquence Radio, on fait appel à des journalistes pour qu'ils nous donnent leur avis sur la déontologie et l'impartialité de complément d'enquête, plutôt. C'est complément d'enquête, le nom. Voilà, ouais, complément d'enquête. Ouais. De, ben justement, de l'enquête et qu'ils ont proposé aux médias, à la télé, celle qui est passée à la télé. Et on aimerait avoir un peu un avis de professionnels, de gens qui ont travaillé sur ce type de documentaire et qui comme on le disait, mais là, c'est à charge. C'est à charge. On est là pour juger, tirer à Sion, lui faire une image de sympathique, mais coupable. Voilà, il est gentil, il est sympa, mais il est coupable. Ne l'oubliez pas. Ah bon, il est coupable. Oui, il est coupable. Voilà, tout est dit, quoi. Comme ça, c'est simple. Hein. Mais... ils se sont pas cassés les bonbons. Je t'en prie, Thierry. Oui, je t'en prie, excuse-moi. Je dis, mais moi, je veux bien être coupable. Mais ça ne doit pas être décidé par un journaliste. Ça doit être décidé par un juré de cour d'assises. Et qu'au moins, on me laisse m'expliquer. Parce que leur condamnation à contumace, on me dit, ah, mais oui, parce que tu vois que le mec, il dit même pas... présumé, il dit impliqué dans un double assassinat, blablabla, bla, bla, tu vois, je veux dire, il dit même pas présumé. Et quand tu poses la question à France 2, au directeur du service légal de France 2, que j'ai appelé quand même aujourd'hui. Le mec, il me dit, ah ben oui, on n'a pas besoin de dire présumé parce que vous avez été reconnu coupable par contumace. J'ai dit, mais attends, contumace, j'étais, est-ce que j'étais dans le prétoire? Est-ce que j'ai pu me défendre? Il me dit, ah ben non, mais pour nous, légalement, vous avez été condamné, donc c'est que vous êtes coupable. Alors, attends, c'est quoi cette application de la loi? Moi, tant qu'un mec il n'a pas le pouvoir de s'expliquer sur ce qu'on lui reproche, le mec il n'a pas à être condamné. On peut me condamner par contumace, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas toujours présumé innocent, puisque je n'ai pas pu m'expliquer et me défendre. Exactement, contumace, tu étais absent. Mais pour le service. Ils ne connaissent pas les réponses en plus, les réponses pour lesquelles tu étais absent. Pour quelles raisons était-il absent? Les raisons sont que, voilà, ils ne les connaissent pas. Donc, non. C'est trop facile. Le problème, moi, je suis seul dans le box. Comme dans toutes mes affaires. À part peut-être une affaire, une histoire de gamin dans les Alpes, mes braquages. 16 employés, je les descends au coffre tout seul. Tous mes braquages, je les ai fait seul. Arnaque de escroquerie aux banques et aux assurances, je les ai fait seul aussi. Je suis un solitaire. Bref, là, il n'y a même pas eu de procès. Il n'y a pas eu de débat. On n'a pas présenté les faits. Il n'y a pas quelqu'un qui a un avocat qui a plaidé, etc., même à mon absence. Si encore ça aurait été comme ça, je dirais, bon, écoute, à la limite, hein, l'avocat, il était là-bas pour me défendre, mais là, c'est même pas le cas. Il constate que je suis pas présent, et par la loi, automatiquement, t'es condamné à la peine maximum prévue par la loi. Donc, dans mon cas, c'est la perpétuité. Oui. Mais de mon point de vue, du point de vue, pour être juste, du point de vue de la justice, de rendre la justice et d'honnêteté, moi, je me considère pas
comme coupable parce que j'ai été condamné par contumace. Je serai coupable si un juré décide que je sois coupable. Donc, le journaliste, il a totalement tort de ne pas respecter ma présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas de procès. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'aimerais que des journalistes visionnent, pas faire le procès de ce journaliste qui a fait le documentaire. La question, elle n'est pas de faire le procès de quelqu'un. La question, elle est de dire professionnellement, est-ce que ce documentaire respecte les règles déontologiques, respecte les règles, le devoir de réserve du journaliste, le devoir d'impartialité du journaliste, et est-ce que le documentaire me donne l'opportunité de me défendre des accusations que le journaliste sous-entend, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui dit que je suis recherché aux Philippines, il n'y a personne qui dit que j'ai escroqué ceci ou escroqué cela. C'est uniquement ce que laisse sous-entendre le journaliste. Oui, par le biais d'une femme qui dit, par exemple, ils te sortent des petites affaires toutes pourries, quoi. Regardez, messieurs, dames, l'exemple de cette Mamassane qui réclame 6 mois de loyer à Thierry, alors qu'elle ne pouvait pas faire ça, parce que toi-même, tu le dis, je te laisse parler. Ceux qui ont regardé le documentaire, parce qu'ils n'ont pas montré ma maison. S'ils montrent ma maison, tu verras que dans mon garage, et on est aux Philippines, hein, dans mon garage, j'ai une Mercedes, j'ai une BM, j'ai une Volvo, et j'ai un pick-up 4x4. Le lancement de ma marque, elle a coûté 200 000 euros. Ouais. Solaire Hotel, Casino, Casino Hotel, Solaire Hotel. Solaire Hotel à Manille. Tout le monde peut vérifier les prix du Solaire Hotel à Manille. Ça m'a coûté 200 000 euros l'histoire. Alors, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de 6 mois de loyer d'une baraque, franchement. L'histoire, elle n'est pas là. Oui. Ce qu'elle dit, c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on ne louait pas, en fait. Ma société a voulu acheter la propriété pour créer le siège de la fondation. Et en attendant que la vente se termine, les papiers, etc., etc., on voulait faire les rénovations et on a dit, OK, écoutez, fixez un loyer, on fait les rénovations et vous déduirez le loyer du prix de la vente. Et le contrat, il se base là-dessus. Elle présente à la baraque et elle demande un loyer pour le jardin. Quoi? Elle me dit, ah oui, non, ça c'est le jardin, s'il appartient, le lot, il appartient à mon fils qui habite en Australie. J'ai appris qu'on vous louait et donc combien vous pensez payer de loyer pour le jardin? Alors que dans le contrat, la baraque, c'est qu'un seul lot. C'est pour ça qu'il y a, on le voit sur le documentaire, il n'y a qu'un portail. Il n'y a qu'un compteur d'eau, il n'y a qu'un... Bon, ça, on ne le voit pas sur le documentaire, mais on voit qu'il n'y a qu'un portail, il n'y a qu'un compteur d'eau, il n'y a qu'un compteur électrique. Donc, pour nous, ça faisait... C'était qu'une baraque, en fait. Et en fait, non, c'est deux. Donc, quand on apprend ça, ma boîte, elle annule l'acte d'achat. Et à partir de là, les 6 mois de l'année qu'on avait payé en avance... Bien sûr que ma comptable, elle a coupé elle a fait annuler tous les chèques à la banque. Bien évidemment. Voilà, mais si l'abruti de journaliste Louis Milano Dupont,
il aurait demandé le contrat. Peut-être il a fait, mais il ne le présente pas à l'émission, je ne sais pas. Mais au moins, qui demande le contrat, comment il peut laisser une femme m'accuser de 6 mois? Ah, ah, et qu'en fait, je m'en fous, je veux dire. Même si j'étais escroc, je m'en foutrais complètement. J'ai 64 ans. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir une bonne ou une mauvaise réputation? Ce que je veux pas être, c'est être accusé à tort. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut sur moi. Du moment que c'est la vérité, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, si le journaliste, il avait au moins demandé le contrat pour savoir si c'était vrai ou non, ou s'il avait vu les copies des chèques, pourquoi ils ont été annulés par la banque, parce qu'on a annulé l'achat, c'était tout simple à dire. Mais là, j'aurais pas été l'escroc. Là, il n'y avait rien à me reprocher. Avec les endorphines, il n'y avait non plus rien à me reprocher. Cosine, sa machine, je suis d'accord. Le mec, il a investi 80 000 dollars dans la machine. On voit bien qu'il montre toutes les balles de produits à traiter. Donc, ça veut dire que le business, il était en cours de route. Maintenant, que je sois pris dans un typhon dans la mer de Chine et que je me retrouve dans une histoire impossible bloqué en Indonésie par la France, je suis désolé, monsieur Cosine, je peux rien faire. Ça veut pas dire que je l'ai arnaqué, ça veut pas dire que je l'ai escroqué. Non, non. Non, mais... Si j'avais réussi à gagner la Nouvelle-Calédonie, après la pandémie, on repartait, ou si j'avais voulu l'escroquer, est-ce que tu crois que, tu sais qu'aux Philippines, il y a 200% de taxes sur les voitures. Alors, dans mon garage, il n'y a pas une voiture qui coûte moins de 150 000 dollars. Avec leur taxe à la con. Est-ce que tu crois pas que j'aurais vendu mes voitures, mes biens, avant de quitter le pays? Bien sûr que je l'aurais fait. La banque, ils ne peuvent rien dire parce que j'ai même pas la signature à la banque. Le directeur financier, c'est pas moi. Moi, je suis que le CEO. Voilà, tout ce que je peux dire. Ils ont rajouté une petite histoire. Regardez de quoi il est capable. Il arrive. On va répondre à ça, Jamel. Voilà, juste pour dire que cette Mamasan dit que dans un premier temps elle a eu le premier loyer, puis après elle va ratine comme quoi oui ils me payaient pas, puis plus tard elle dit ils m'ont payé 6 mois, les 6 premiers mois quoi, mais on les a plus vus et les chèques n'étaient plus acceptés à la banque, c'est-à-dire qu'à ce moment-là elle a le temps de tout stopper. Et elle a même 2-3 mois de loyer supplémentaire, quoi. Elle devrait être heureuse. Tu vois la baraque sur la piscine, la toiture, oui. Le canopy, la toiture, tout ça. C'est les rénovations. Ouais. Tu vois l'état du portail. Ouais. Bon, ça, c'était la baraque. Quand on a voulu acheter, c'est pour ça que j'avais eu un bon prix avec le terrain. 20 000 de réparation, si quoi, terrain, facile. Quoi. Ouais. Si le terrain ne lui appartenait pas, elle me le dit. On aurait contacté le propriétaire et on aurait proposé d'acheter le terrain. Le terrain, ça coûte rien aux Philippines. C'est pas ça qui va me ruiner. Ça coûte même pas le prix d'une de mes voitures. Elle a gagné toutes les rénovations gratuites. Oui. Ouais, voilà. Donc, et c'est stupide.
Non, non. Ils ont voulu, à la finale, elle a pris 6 mois d'un loyer. Et elle a eu la rénovation complète de la baraque, hein, ouais, qui n'était pas finie. Et quoi ? Elle va m'attaquer parce qu'elle a peur que j'avais dit des choses mal sur elle, mais je n'ai même pas parlé d'elle, je veux dire. Voilà. Enfin, bref, voilà. Voilà, je n'ai pas payé 6 mois de loyer, je suis un méchant criminel, je mérite la peine de mort, voilà. Non, c'est faux. Même non, mais je sais, c'est pas. Je veux dire, c'est façon de parler. Tu es en mode, mais tu as raison. Parce que, Mais il n'y a rien qui m'atteint, il n'y a même pas les balles qui m'atteignent. Mais non, mais même pour l'entomologie, alors il y a une question, c'est-à-dire, on a, attendez, alors Jamel M qui nous dit, mais est-il vraiment docteur? Alors, pour, je vais te laisser répondre, il va comprendre notre ami. Pour, d'ailleurs, tu ne t'es jamais présenté comme étant un docteur. Il faut savoir que, mais c'est toi-même qui vas nous le dire sur l'entomologie. D'accord. Donc, Jamel, non, c'est pas. Déjà, en anglais, docteur, tu peux être docteur en informatique. En anglais, un doctorat, c'est pas comme en France. En anglais, quand tu es docteur, c'est MD, médical docteur. C'est pas comme en français. Donc, j'ai fait des études. J'ai étudié l'entomologie. Ça m'a permis, parce que je voulais développer mon invention. Et si tu tapes entomologie sur Internet, tu vas voir Wikipédia. Qu'est-ce qu'il dit Wikipédia ? Professionnel ou amateur ? Moi, j'ai jamais dit que j'étais un entomologiste professionnel. Non. Quand le quiproquo, parce qu'il y a eu le quiproquo, faut le reconnaître, mais le quiproquo, on le voit dans le documentaire, c'est que une de mes marques, je dis bien une de mes marques, c'est Dr. Martin. Et là, au lancement de la marque, les gens, oh, moi, François Martin et Dr. Martin, ils ont dit « Oh, le gars, c'est un docteur. » Ah non, attends, ça, c'est la marque, là. Mais c'est super difficile à expliquer. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas avoir un plan de communication là-dessus pour rectifier un truc qui va mettre que la confusion et qui va être contre-productif dans ton plan marketing, etc., etc. Enfin, bref, ceux qui connaissent, ceux qui font du business, ils comprennent facilement ce que je veux dire. Et je décide de laisser couler, oui. Mais entomologie, ça n'a rien à voir avec soigner des gens. Les seules choses qu'on étudie, ce sont les insectes. Moi, j'ai pris en ligne une spécialité moustique. Voilà. C'est tout, parce que tu étais un passionné. Voilà. Et tu voulais aider, tu savais qu'il y avait donc une porte dans un pays comme Manille et sa région et les Philippines, donc, qui sont très touchées, les enfants sont très touchés, les personnes âgées, n'importe quelle personne est très très touchée par ça. Et ce qu'il y a de dans l'entomologie, en gros, c'est qu'un passionné peut se transformer en non pas en médecin ou en docteur. Chez nous, on dirait voilà, il faut des diplômes, ceci, cela. Bon, mais aux Philippines, pas besoin de diplôme pour être reconnu comme un connaisseur. Et eux, voilà, rapidement, connaisseurs, y a une marque qui s'appelle Docteur, du nom. Je te laisse expliquer. C'est comme quand tu vois en France à la publicité pour le dentifrice, hein, tu remarqueras qu'à une époque, tu voyais toujours des mecs ou des femmes en blouse blanche. Oui, oui, oui.
ça ne veut pas dire qu'ils sont docteurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont dentistes. C'est juste la stratégie marketing. Voilà. Maintenant, si je me serais fait passer où j'avais utilisé le mot médecin, qui s'attribue vraiment à la médecine, à soigner les gens, à soigner les humains. Là, d'accord, on pourrait dire que je suis un mec dangereux à vouloir me faire passer pour un médecin alors que je suis pas médecin. Mais un entomologiste, je suis dangereux pour qui? Je vais poser une question, celui-là qui peut répondre. Combien de dards a le moustique? 1, 2 ou 3? Alors là. Toi, zéro, tu le zéro? T'es? Je dirais zéro. Mon ami, l'arbitre, tu sais combien de dards? Non, il a un dard, il pique. Pas mon ami. Il pique et il suce. Il suce le sang, hein. C'est vrai. Non, je ne sais pas. Le moustique, il a deux dards. Il a deux dards. Il a un dard. Ça paraît être un seul dard, mais il a un dard qui se divise en deux. Il a deux dards. Bref. D'accord. Tu peux pas. Et voilà, il n'en parle pas. J'ai quand même été conseiller du gouvernement avec d'autres experts. J'ai des photos. Alors, je suis désolé, mais dans toutes les réunions où je peux montrer les photos, il n'y a aucun expert qui est venu contredire mes connaissances en entomologie. Alors, que le journaliste, il éprouve le besoin de dire que je me suis fait passer pour un entomologiste, je ne me suis pas fait passer pour un entomologiste. J'estime être un entomologiste amateur, comme le dit Wikipédia, professionnel ou amateur. J'ai fait partie d'un club d'entomologie et on peut me poser des questions sur les moustiques. Mmh. Voilà. C'est vrai. Et Dr. Martin, c'est la marque qu'on voit très bien les produits dans le documentaire. Bref, mais comme il n'y a rien à me reprocher, le journaliste, il a voulu trouver des choses à me reprocher. Ça s'arrête là. Ah ben, ils t'ont monté un chantier, tu sais, Thierry, quand ils parlent, ils appuient bien, parce que chez nous, en France, c'est différent de l'Indonésie et de l'Asie en général, quoi. C'est-à-dire que quand on parlait de ta marque, le docteur Martins, le docteur Martin, on peut parler de, à l'époque, bon, tu as eu tu avais des soucis, hein, tu étais recherché, etc., etc., donc, ben, tu as usé de faux papiers. Normal, on l'aurait tous fait. Sur ces faux papiers, ton nom était Martins, aux Philippines. François. Et tu as créé donc une marque. Tu étais comme une marque, on peut l'appeler Evian, qu'on peut l'appeler comme on veut, hein, voilà. Ouais, mais là, la marque, c'était Docteur Martins. Mais ça, c'était le nom de la marque. C'était pas ton nom à toi. C'était pas tes références à toi. C'est que aux Philippines, rapidement, beaucoup ont fait le raccourci entre toi et la marque Dr. Martins, dont tu étais le référent, et rapidement, ben, on t'appelait Dr. Martins, comme on aurait appelé l'inventeur, je sais pas moi, des marques Lacoste, voilà quoi, tout simplement. Tout le monde aurait fait le raccourci, c'est comme en France, on dit Kleenex, en parlant des tissus en papier. Exactement. Mais les tissus en papier, Kleenex, c'est une marque en fait. Alors qu'on devrait dire les tissus en papier. Ah, ou réfrigérateur. Mais les mecs, passe-moi les Kleenex. Hein, pardon? Ouais. Ou réfrigérateur, voilà. La marque donc, qui était une marque. Et qui, Ouais, voilà. Donc, mais en fait, bref, ça, c'est même ça, ça casse pas deux pattes à un canard, les histoires. Oui. Comparé à être accusé
d'avoir commandité des assassinats et être condamné à perpétuité par contumace. Docteur Martin, pas Docteur Martin, ça casse trois pattes à un canard. Il n'y a rien. Alors qu'il aurait dû prendre l'angle du « Waouh !» Putain, le mec, il est en cavale. Il monte une société avec quand même 260 employés. Attends, faut pas l'oublier non plus. Ça, il en parle pas. J'ai des photos avec mon staff. Bref, le mec, il monte une société. Il fait une invention. Il patente un produit, une formule, alors que je suis pas chimiste. Le mec, il patente une formule, il devient conseiller du gouvernement pour les questions en entomologie, pour les questions, le problème des moustiques. Il fait valider son invention par British Columbia University. Et il va essayer de me détruire alors qu'il a tous les ingrédients pour faire un documentaire. On ne peut pas dire waouh pour un repris de justice, parce que tu es un repris de justice, ça veut dire que tu es un bon à rien, que tu n'es pas capable. Ça les dérange peut-être. Peut-être qu'ils auraient préféré que je continue à braquer des banques pendant ma cavale, ou que j'ouvre un bar à pute pendant ma cavale, ou que je trafique la cam sur mon voilier pendant ma cavale, ou que je transporte des clandestins sur mon bateau pendant ma cavale. Ça, c'est ce qu'ils auraient voulu, peut-être. Mais désolé, j'ai changé de vie à ma dernière sortie de prison. Et je ne parle pas de cette affaire du Guatemala. Je parle avant. Et ça, apparemment, ça dérange, parce que ce que j'ai à dire sur l'histoire du Guatemala, il y en a qui ont intérêt à acheter les Kleenex et à savoir ce que ça veut dire les bons de cantine, peut-être. Tout le monde sait ce que c'est des bons de cantine. Oui, bien sûr. Enfin, bref, il n'y a personne qui ira jamais en prison pour les comptes de Miami. Faut pas non plus, ça date de 30 ans. Je veux dire, l'histoire est seulement que... C'est à la base de tout. C'est à la base de tout et depuis le départ, je sais pas où ça a été coupé tout à l'heure, mais j'étais en train de parler de ça. Oui. Mon retour en France, il est seulement dû que tant que je suis pas en France, on peut pas avoir accès au compte, au dossier. Et à partir de là, je peux pas mettre sur la table les comptes de Miami que le juge confirme dans son livre. Alors peut-être que quand je vais arriver, ils vont dire que le juge est un menteur et qui ment dans son autobiographie, c'est des mensonges. Pourquoi pas, je m'attends à tout. Hein. Ça voudrait dire aussi que dans le dossier, il y a une partie du dossier qui a disparu. Ça serait pas la première fois. Puisqu'il manque déjà la moitié du dossier guatémaltèque. Et ça a été perdu en cours de route. Entre le Guatemala ici, les pièces du dossier guatémaltèque, ils ont été perdus. Bref, mais tous ceux qui ont entendu parler de cette affaire du Guatemala, qui est un peu vieille, qui avait fait du bruit, ou qui peuvent encore trouver des articles, même la presse française, même la Fédération des droits de l'homme, elle a dit que le procès, il était truqué. Elle a dit que les gamins, ils étaient innocents. Même les journaux français l'ont dit. Que cache l'affaire du Guatemala? Combien d'articles? Ceux qui sont allés à la Fédération internationale des droits de l'homme, ceux qui sont allés assister au procès, ils ont fait un rapport. Ils ont dit que l'accusation a interdit aux accusés de présenter leurs témoins la nuit du kidnapping. Jean-Philippe, il a trois témoins.
Philippe, il a un témoin chez la logeuse où il habitait qui dit non, cette nuit-là, il est resté, il était dans la maison, il louait une chambre. La femme, elle le sait quand même. Et Jean-Philippe, lui, il en a trois. Au procès, le procureur, il refuse que les témoins viennent. Ils sont condamnés, ils sont acquittés au deuxième procès et ils sont recondamnés au troisième procès. Voilà, ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils les ont même acquittés une fois. Donc, si ce sont mes complices, pourquoi eux, ils seraient innocents et moi, je serais coupable. Faut se mettre d'accord sur la stratégie. Et comme je l'ai dit au début, on m'accuse d'être le commanditeur et on dit que par menace, par paiement ou par promesse. Ça veut dire qu'ils sont même pas, ils savent même pas ce qui s'est passé là-bas. Mais on m'accuse quand même à moi d'être le commanditaire et on me renvoie aux assises. Alors, si on me dirait, bon voilà, c'est lui qui a tué, vous l'avez payé tant, ok, à la limite, je comprendrais qu'il y ait des accusations et qu'on me renvoie devant une cour d'assises. Mais là, c'est même pas le cas. Puisque eux, dans l'acte d'accusation, eux-mêmes admettent qu'ils savent pas qui sont les exécutants et qu'ils savent pas quel est le lien entre moi et les exécutants. Alors, pourquoi j'aurais un lien? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Ben oui, c'est trop facile d'accuser les gens. Puis, on n'aurait jamais dû me renvoyer devant le procès. Et ça, c'est ce putain d'avocat qui, en fait, que j'avais viré, qu'on voit dans le documentaire, qui dit, ouais. Ah ben oui, c'est un mec intelligent, ça veut dire, c'est un renard, il est rusé, il connaît comment les juges travaillent, comment la police travaille, c'est pas un enfant de cœur. Bref. Et lui, qui aurait pu me sortir de l'histoire. Mais moi, à l'époque, j'étais tellement en colère et hargneux que franchement, j'étais con. J'étais aveugle tellement j'avais la haine. Parce qu'il voulait le procès, parce que le procès, il était tellement médiatique. Comme j'expliquais, il y a eu des dizaines d'articles de presse, il y a eu des dizaines d'émissions de télé. Comme lui, il voulait le procès parce que c'était médiatique, il n'a pas forcé à faire annuler les charges avant que le juge le renvoie devant la cour d'assises. Parce que le dossier, il est vide, il n'y a rien. Nada. Mais on me garde parce que j'avais un casier judiciaire. Ah ben ouais, d'accord. Et ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Chaque fois qu'un journaliste il écrit un article, il va repartir, il va retrouver les archives des vieux articles de journaux écrits où il y a des conneries de 10 ans et le mec ou la femme, ils vont les répéter chaque fois dans leur nouvel article, comme quand lui est condamné 11 fois, je crois qu'il dit, il a été condamné 11 fois. Oui, d'accord, c'est vrai. Oui. Mais attends, la première fois, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Non, la première fois, j'avais même pas 14 ans. J'avais 13 ans et demi. Je suis rentré en prison, j'avais 14 ans. Au Beaumettre. Au Beaumettre, après, je sors et après, je rentre. Au Petit Beaumettre. Au Petit Beaumettre, voilà. Et j'avais le juge Michel à une époque. Le juge qui s'est fait fumer. Ouais. Et là, avant, j'ai un juge, il me dit, écoute, ou tu vas en prison ou tu t'engages dans l'armée. Et allez, je me retrouve
au 1er RCP de Pau, régiment commando parachutiste, à 17 ans. Et de là, de Pau, apparemment, je ne devais pas être mauvais, puisqu'il m'envoie à Granville, 1er régiment d'infanterie de marine, les commandos de marine. Mmh. Après, ils m'ont gonflé, je suis parti. Mmh. Je comprends, et alors pour dire à certains de nos amis qui pensent que, alors attends, j'essaye de retrouver ouais, et moi, une dernière chose, mon dernier délit, il date de 1983, donc 1983, on est en 2023, mon dernier délit, il date de 40 ans. Alors, tu parles d'un repris de justice. Ah ouais. C'est un peu c'est facile. Grave. Non, mais ils en parlent comme si c'était hier, tu vois. Ouais. Donc, pendant 40 ans, j'ai commis aucun délit. Ouais. Et là, on dirait que j'ai pas cessé de commettre des délits toute ma vie. Ah ben oui. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé ça. Oui, je t'en prie. Alors voilà, il y avait des questions. Ouais, il y avait une question que je trouvais. Alors, beaucoup de gens pensent que tu es un assassin, d'après les infos qu'elles ont pu trouver. Voilà, complément d'enquête, c'est pas vraiment une référence journalistique, nous dit l'Oasis. Gamo nous dit que, apparemment, tu serais un assassin, mais il va vous répondre. Il a déjà répondu, mais il va vous répondre, Thierry. Hein. Voilà, ouais, les journalistes en France, j'aimerais bien savoir. Comment il s'appelle, hein? Comment il s'appelle, Garo? C'est Gamo, qui pense que tu es un assassin, d'après les infos que je vois, mais je ne connais pas, quoi. Alors, faut se méfier des infos qu'on voit, et justement, la justice, elle essaye, ou une partie de la justice, ou certaines personnes qui veulent en protéger d'autres. C'est ça qu'il aurait fallu, les amis, c'est que vous, on avait fait mais Maria en a retrouvé une, hein. Maria a retrouvé un document qu'on a fait, un live, elle le mettra bientôt, la Sorette. On avait fait pas mal de documentaires à l'époque où justement Thierry prenait le temps de bien expliquer ce qui s'était passé. Vous imaginez deux personnes enlevées, assassinées déjà d'une et découpées en morceaux de façon chirurgicale. Vous voyez bien trois Français, la vingtaine, qui n'ont jamais touché à ça, qui n'ont jamais fait ça, qui ne sont pas bouchés ou quoi que ce soit, faire des choses pareilles. Dans un pays, le Guatemala, où on retrouve des gens qui ont été formés par la CIA dans les années 70 ou après, ou tout ça, qui eux sont des professionnels. Un commandant, un colonel, des types un peu comme ça, qui est un peu une sorte de type qui était très très bien placé à l'époque. Lui, bien entendu, pareil, hein, on parle de plusieurs millions de dollars. Vous imaginez bien que à l'époque, si Thierry Hassion gagne au loto en se retrouvant avec 30 ou 40 ou 50 millions de dollars, au jour d'aujourd'hui, on ne l'aurait jamais retrouvé et il ne se serait pas fait chier à faire rien du tout, quoi. Il serait resté sous un palmier, un cocotier, dans un des plus bels hôtels du monde et il ne se serait pas cassé le cul. Et oui, sauf que c'est pas le cas. Sauf que cet argent, il a disparu. Et il y a une chance que ceux qui ont récupéré cet argent sont les gens qui ont fait parler les deux personnes torturées et massacrées et découpées en morceaux. Eux, ils ont eu les accréditations, Oui, je t'en prie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les comptes de Miami, ils ont été vidés. Voilà. Et je te dis, il devait y avoir entre 20 et 30 millions de dollars. Ah ouais, de l'époque. Hein. Oui, à l'époque. Eh oui, ce qui veut dire aujourd'hui 100 millions d'euros, quoi, facile, quoi, l'équivalent, quoi. Ouais, je sais pas, peut-être, mais enfin, ça fait des sous, quoi. Ah oui, ça fait deux fois ou trois fois. C'est sûr que ça fait des sous. Ah oui, mais en fait, c'était tout simple, c'était tout simple. Même
Le juge, il a eu l'occasion d'innocenter les deux jeunes au Guatemala dès 95. Il suffisait de vérifier qui partait en croisière avec les Béraud cette nuit-là, et il verrait bien qu'il y avait quatre personnes, pas deux. Donc, ça veut dire que c'est impossible que nous, l'accusation maintenant c'est nous, ce soit nous qui soyons allés au restaurant kidnapper les propriétaires le jour où ils partaient à Miami, puisqu'ils partaient à 4. Oui. Par contre, les deux autres, les époux Pivaral, l'avocat Pivaral, qui est aussi l'avocat de Gregorio Valdés O'Connell, le narco, et l'avocat de Béraud. Par contre, eux, le couple, ils vont prendre l'avion, ils vont faire la croisière dans les Caraïbes une semaine, et pas une fois, ils vont téléphoner au Guatemala pour dire « Hé, Bernard, Marie-Antoinette, vous êtes où ? On est passé au restaurant, on ne vous a pas trouvé. On est allé à l'aéroport, on ne vous a pas trouvé. On est arrivé à Miami, on a fait la croisière, on ne vous a pas vu sur le bateau. » Les mecs, pas un mot, alors qu'ils partent à quatre faire la croisière. Ça, le juge, je me dis en 95, quand il va à Miami ou quand il va au Guatemala, parce qu'il y a été au Guatemala, entendre les deux jeunes, pourquoi il ne vérifie pas les billets d'avion? Pourquoi à Miami, il ne vérifie pas la compagnie de la croisière, qui sont bien quatre passagers, pas deux. Et donc, les deux autres, ils ne voient pas leur ami venir, où ils passent au restaurant les chercher, ils ne les trouvent pas, ils partent quand même faire la croisière, ils ne se posent même pas de questions. Et en plus, alors, décembre 1991, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Le pays, il est en pleine guerre civile. Le juge, même le juge Thiel, il raconte, quand il parle de moi dans son livre, il raconte, il dit qu'il arrive au Guatemala, il y a les sacs de sable qui protègent l'ambassade, le consulat de France, tellement que ça tirait tous les jours. Alors, il faut remettre l'histoire dans son contexte. Déjà, les tortures, l'histoire, on a torturé le couple pour qu'il nous donne le compte de Miami où a été retiré les 80 000 $ à mon nom. Alors que c'est le compte du mec, on est d'accord? Enfin, c'est le compte du mec. Alors pourquoi la femme, elle a été torturée? Et est-ce que tu vas torturer des gens comme ça? Mais moi, je te garantis, il n'y a pas besoin de torturer les gens. Tu mets une baffe, la personne, il va te dire son numéro de compte. Et en fait, ça ne tient même pas debout. Parce que Jean-Philippe, c'est le neveu. Jean-Philippe, il a les clés de l'appartement quand son oncle et sa tante y partent à Miami. Il lui suffit d'aller à l'appartement, il va dans le bureau, il ouvre le bureau et il a tous les chéquiers de l'oncle. Il va le torturer pour faire... Pourquoi? Alors d'abord, ils disent « Ah oui, ils les ont torturés pour qu'ils signent les chèques. » Après, ils disent « Ah non, non, les chèques... ils ont été, la signature elle a été falsifiée. » Attends, alors il faut savoir. Ou on les torture pour faire signer les chèques, ou la signature elle est falsifiée, et après on les torture pour savoir le compte bancaire, alors que Jean-Philippe, c'est le neveu, il a les clés de l'appartement. Et ne t'étonne pas pourquoi il n'y a que la moitié du dossier guatémaltèque qui est versé au dossier français, parce que ça ne tient pas debout l'histoire. Et pourtant, c'est à l'origine de tout. J'attends ce procès. J'attends ce procès avec impatience. Je le veux, ce procès. Je veux ce procès comme j'ai voulu ma première voiture.
une BMW 2002 à l'époque. Mmh. Je sais pas si tu te rappelles de ces voitures. À peu près, oui, oui, oui. Les BM, les 2002, bon, c'est vieux, hein. Bref, je veux ce procès que plus que tout au monde. Voilà, actuellement. Ils m'ont tellement pris la tête, hein, j'étais prêt à tourner la page parce qu'en fait, il y a eu la prescription. Qu'on le veuille ou non, pour moi, la prescription, elle a eu lieu parce que soi-disant que en 2019, la cour d'appel, voilà, elle a fait un acte. Ouais. Non, mais appel de quoi ? La cour d'appel, la cour d'appel. Non, mais la cour d'appel en 2019, il faut un élément. Il faut un élément dans le dossier pour arrêter la prescription. Le problème, c'est que cet acte de la cour d'appel, à l'heure actuelle, aujourd'hui, mon avocate, on lui donne toujours pas parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et si tu vois la fiche d'Interpol qui mentionne cette fiche, cet appel qui aurait soi-disant repoussé, tu sais de quand elle date? Elle date du 20 octobre 2021. Comme par hasard, ça date d'après mon arrestation. Mon arrestation, elle a lieu le 8 et la fiche d'Interpol, elle date du 20 octobre 2021. Comment? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est curieux. D'ailleurs, il me faudrait un moyen de la poster. Je l'ai déjà posté. Non, mais même que le mandat d'arrêt, il est lancé un an avant la condamnation, c'est la raison pour laquelle les Indonésiens, ils veulent pas m'arrêter. Sans parler que la fiche rouge d'Interpol, il n'y a ni ma photo, il n'y a ni mes empreintes. Et dans l'ordinateur d'Interpol, il n'y a plus ma fiche. Ça, c'est Interpol Indonésie qui le dit. La fiche d'Interpol qu'ils ont reçue, elle a été transmise par le consulat de France. Elle n'a pas été transmise par Interpol, parce que dans l'ordinateur d'Interpol, même si aujourd'hui tu tapes mon nom sur Interpol, tu verras qu'il y a marqué 0. Thierry Ascione, 0. Ma fiche, elle y était. Elle a été enlevée en 2020 quand il y a eu la prescription. En 2021. En juin 2021, elle a été retirée. Et je le sais. C'est Interpol qui me le dit. Et mieux, Interpol, il m'envoie un courrier. Un courrier qui dit que le 21 avril 2020, donc un an avant mon arrestation, il est rajouté sur mon dossier d'Interpol que je suis accusé de blanchiment. Ah oui, ça aussi, ouais. Enfin, mais qu'on m'explique. Alors, soi-disant, on ne sait pas où je suis, on ne sait pas dans quel pays je suis, on ne sait pas sous quel nom je me cache, comment on peut m'accuser, moi, Thierry Ascione, sur ma fiche d'Interpol de blanchiment en 2020? C'est impossible. Ou alors, il savait où je suis. Alors, et dans quelle affaire, blanchiment, quelle affaire? Ah, là, il y a plus rien dans le, il y a plus rien sur la fiche. Il y a que le rajout de ça, il y a rien. Moi, je te dis ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. C'est un signal. On dit, Thierry, il y a prescription qui arrive là. Donc, la prescription, elle rentre en vigueur un mois après. Un mois avant, il y a cette truc qui apparaît sur ma fiche d'Interpol, qu'Interpol m'a donné
une copie, donc je raconte pas des conneries, je peux la transmettre au journaliste, où on m'accuse de blanchiment alors que je suis en cavale et que personne ne sait où je suis et que personne ne sait sous quel nom je me cache. Comment c'est possible? Chapeau, hein. Donc, comme ils peuvent savoir ça, ouais, exact. Ouais. On peut t'accuser de c'est tout, possible. Là, quoi. On peut t'accuser donc, d'être... Non, non, en fait, c'est... On m'envoie un message, je sais qui, et je peux pas le dire, bien sûr, mais je sais qui, on m'envoie un message, on me dit, bon, il y a la prescription, mais si tu parles, on peut encore te faire des problèmes. Et ça, en fait, ça, je l'explique dans mon email du 15, dans mon email du 15 octobre au consulat de France. Donc, après mon arrestation du 8, j'explique au consulat de France et je lui dis, au consul de France, mais il n'a pas fait son travail, cet abruti, comme je dis. Si tu vois mon email, je peux aussi le donner aux journalistes. Je dis, selon l'accord, je ne pouvais pas rentrer en France, mais je pouvais rentrer dans les territoires d'outre-mer. Vous ne trouvez pas mon nom sur votre ordinateur parce que ceci, cela. Là, le consul, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il suit le protocole, il doit appeler Paris et prendre les instructions à Paris. Mais il ne le fait pas. Il ne suit pas le protocole et il commence à partir dans des courriers au gouvernement indonésien. Et là, à partir de là, il est plus possible de faire machine arrière. Parce que du 8 au 21 octobre, je suis arrêté en Indonésie parce que j'ai perdu mon passeport. Et parce qu'ils disent que sans passeport, je dois réparer le bateau et repartir. Parce que je suis arrivé pour une tempête. Donc, les Indonésiens, ils allaient me laisser repartir. Si le consul qui est informé que je suis, si le consul il fait son boulot, il informe Paris de ma présence, comme je lui ai dit de le faire dans mon email du 16 octobre. Mais monsieur, il veut jouer les Don Quichotte de la Mancha. Et c'est pour ça qu'après, il va mentir et s'enfoncer dans les mensonges parce que c'est lui qui a déclenché le tsunami. Voilà, bon. Et ça, on en parlera au procès. Si procès y a lieu. Parce que c'est pas encore dit qu'il va y avoir un procès. Donc, pour répondre au gars, en fait, Claire, pour répondre au gars assassin, alors, moi, je vais dire, écoute, moi, c'est simple. J'ai braqué les banques, j'ai escroqué des gens. J'ai jamais touché ni aux putes, ni aux enfants. Et j'ai une petite fierté, c'est que j'ai aucune goutte de sang sur les mains jusqu'à présent. Alors, si les articles qu'il a lus de l'époque, moi, je lui pose la question. Si c'était le cas, pourquoi de 91 à 95, il lance pas de mandat d'arrêt contre moi, alors que mon nom est dans les journaux tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais régulièrement, chaque fois qu'il parle de cette affaire du Guatemala. Et pourquoi les Guatémaltèques, ils ont jamais lancé de mandat d'arrêt non plus? Ou ni même m'inculpé? Moi, les Guatémaltèques, ils m'ont jamais inculpé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, au procès, il y aura les explications. Si explication, il y a. Voilà, mes amis, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. S'il y a des questions précises, je suis prêt à y répondre, mais des questions précises, je veux dire. Ils vont finir par me laisser rentrer en France. Ils vont finir par me laisser rentrer.
Là, ils sont en train, donc, je sais pas, ils tournent en rond, ils cherchent quelqu'un ou ils attendent qu'une histoire. C'est compliqué, hein, dur de savoir mais ce qu'ils ont dans la tête. Pour se sortir de l'histoire, il n'y a que deux choses possibles. J'y ai pensé, ouais. Ou je meurs, voilà. Ou le juge-t-il meurt. Par exemple, parce que si le juge-t-il meurt, on va dire que ce qu'il a écrit dans le livre, c'est que des conneries, des comptes bancaires de Miami, l'histoire du FBI, et oui, tout ce qu'il raconte le juge dans le livre, c'est faux, il a inventé, il est mort, il ne pourra plus se défendre l'autre. Et si je meurs moi, ben je meurs moi, donc il n'y a plus, voilà, c'est classé aussi. Voilà. D'autres personnes au courant. Mais pourtant, pour rappeler à tous ceux qui n'étaient peut-être pas au courant de ce qui se passait au Guatemala dans les années début 90, il y a de la cam, beaucoup de cocaïne qui passait par là, il y a beaucoup d'argent qui était ensuite blanchi, et il y a le nom d'un ancien ministre français, bon, on va pas le citer, hein, mais Thierry le connaît, ce gars-là, ça a été prouvé par avocat. Lui, il s'est rendu à Miami et il est reparti avec des valisettes, des valises remplies de gros pognon. L'argent dont on a déjà demandé à Thierry si c'était pas lui qui était parti avec. Ben, si ça avait été le cas, comme, voilà, quoi, il vivrait une autre vie aujourd'hui et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui, mais plus jamais, quoi. Mais ça n'a pas été le cas, donc c'est bien que c'est pas lui. Qui s'est servi de cet argent. Il semblerait que la mort des gens soit liée à ces grosses sommes d'argent. En premier lieu. Là, oui, tu sais que je suis un ambitieux. Alors, oui. Si moi j'avais pu prendre cet argent, en fait, j'aurais changé de nom et je serais devenu ministre en France. Tu aurais pu, remarquer, tu aurais de quoi. Bien sûr, je serais rentré en politique en France. Au moins, j'aurais pu prendre l'argent que je voulais sans avoir aucun risque de jamais aller en prison. C'est ce qui se passe en France, non? Oui. En France, les ministres qui détournent des millions, on ne les met pas en prison, mais le gamin de banlieue qui vend deux barrettes d'hashish, il va se retrouver à Fleury. Ouais. C'est ça la justice française. Heureusement, oui. Bref, on va rester dans le sujet. Oui. S'il y a un journaliste qui veut bien regarder cette émission et donner son avis d'expert, ça serait apprécié. S'il y a un journaliste qui veut faire un vrai article, où il n'a pas peur de publier les documents que je lui remettrai sur l'affaire du Guatemala, l'affaire ici, pourquoi je ne peux pas rentrer en France et pourquoi. À moi, ça va sortir dans la presse parce que mon avocat, il a déposé plainte contre le gouvernement français. Même le gars qui était avec moi sur le bateau, il a déposé plainte contre le gouvernement français. Parce que lui, il y a un article dans Var Matin qui est sorti. Lui, quand même, le mec, il a son passeport, il est en règle. Il va se retrouver 41 jours en prison en Indonésie. Alors que moi, je suis à l'hôtel. Ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Lui, qui est parfaitement en règle, il se retrouve 41 jours en prison en Indonésie. Pourquoi? Parce que le consul de France, il a dit aux Indonésiens que son passeport était suspect et qu'il fallait le garder le temps de vérifier. Du 8 octobre au 14 novembre, il est resté incarcéré en prison, alors que moi, j'étais libre, j'étais à l'hôtel, et c'était moi, avec cette histoire d'Interpol et tout ce que vous voulez, qui allait le voir en prison.
il y a des vidéos sur YouTube, ma chaîne YouTube, Thierry Acéon. Il y a les vidéos où vous me voyez et Thomas, il dit, je suis en prison parce que le consulat, il dit que mon passeport, il est faux. Les Indonésiens, ils l'expulsent. Thomas, il arrive à Paris. Même pas, on lui pose une question. Il n'y a même pas un flic qui l'attend. Un flic aurait pu l'attendre, lui dire, oh, vous étiez avec un fugitif sur le bateau à Sion. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous étiez? D'où vous veniez? Rien, rien. Il dépose plainte contre le Quai d'Orsay. Et qu'est-ce qui se passe? La plainte, elle est d'abord à Draguignan, au procureur de Draguignan. Le procureur de Draguignan se dessaisit pour Paris. Donc là, ça fait un an maintenant. Paris se dessaisit de nouveau au procureur de Draguignan. Et le mois dernier, le procureur de Draguignan renvoie la plainte à Paris. Donc, en fait, il gagne du temps. Le proc de Draguignan, il envoie la plainte à Paris. Paris envoie la plainte à Draguignan. Draguignan renvoie la plainte à Paris. Oui. Salomé Cohen, mon avocat, elle peut tout expliquer. Non, attends, le mec, parfaitement en règle, aucun casier judiciaire, inconnu des flics, c'est même pas qu'il n'a pas de casier judiciaire, il est inconnu des flics, il a son passeport, il est tout en règle, le bateau en règle, même les chiens, ils sont en règle, même mes chiens, ils ont leur passeport. Parce que quand tu es en cavale, tu peux pas te permettre la moindre erreur, le moindre papier qui manque, c'est interdit ça, en cavale. Si tu veux pas te faire attraper, bien sûr. Donc, tout parfaitement en règle, il se fait 41 jours de détention parce que le consulat, il a dit que le passeport, il était suspect. Et en fait, le consulat, il a même jamais répondu aux Indonésiens. C'est pour ça que les Indonésiens, ils en ont marre, ils expulsent. Ouais, exactement. Alors, certains disent que. Je regarde un petit peu. Hein, pourquoi. Gentilvet nous dit pourquoi pas les envoyer direct aux équipes d'Élise Lucet, les documents. Élise Lucet, la 2 et complément d'enquête, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, non? Non, mais faut pas oublier que France 2. C'est la chaîne du gouvernement français, quand même. Voilà, c'est une chaîne d'État et il ne voudrait pas trop se mouiller. Faut pas oublier non plus que si les comptes de Miami sont prouvés, l'argent financé le RPR, qui s'appelait RPR à l'époque, ouais. Et Macron et son équipe, ils sont issus de quel parti? Sarkozy, ouais. Il est issu de quel parti? Ils viennent tous du RPR. Le RPR, après, il s'est transformé en UDF, et après, ils ont encore changé de nom. Mais toute la même clique qu'il y a au gouvernement actuel et au gouvernement d'avant, ils sont tous du RPR. Et le problème, il est que cet argent de Miami, avant que l'autre y fasse les retraites, après l'exécution du propriétaire des comptes de Béraud. Donc, ça prouve bien qu'il y avait une sécurité. Non, ça prouve bien que c'est du blanchiment. Parce que quand c'est des comptes qui servent pour le blanchiment, t'as jamais qu'un seul signataire des comptes. Au cas le mec il se fasse arrêter, au cas le mec il se fasse tuer, etc., etc. Il y a toujours d'autres signataires sur les comptes. Bref, mais avant ça, même si ça prouverait, ça donnerait le nom de celui qui a retiré l'argent. C'est bien, déjà on dirait que c'est pas mon nom. Et avant ça, quand Béraud il transférait l'argent en France des comptes de Miami, je suis sûr que le problème, il est que
les sociétés ou les fondations ou tout ce que n'importe quoi, tout ce que tu veux, où l'argent arrivait en France, les noms, ça va lier à des personnalités politiques encore influentes en France aujourd'hui. Et là, ça sera le scandale. Pas. On ne peut pas les condamner pour blanchiment il y a 30 ans. Mais par contre, ça sera une question morale de dire « Ah ouais, mais en fait, ils ont laissé, ils ont donné en pâture les deux gamins au Guatemala. Jean-Philippe, il avait 22 ans à l'époque quand même. Le neveu de Marseille, il avait 22 ans. Alors, ils ont donné les gamins en pâture au Guatemala pour pas qu'il y ait d'enquête sur l'assassinat du mec et pour pas qu'à ce moment-là, l'enquête puisse révéler le blanchiment d'argent. C'est là la question morale qui va se poser si l'affaire elle sort. C'est plus une question de blanchiment. Non, mais moi, je le dis, Pierre Lelouch, celui qui a retiré l'argent à Miami, il s'appelle Pierre Lelouch, c'est un ancien député, c'est un ancien ministre, voilà, Pierre Lelouch, voilà, il a qu'à porter plainte pour diffamation contre moi. J'ai déjà cité son nom plusieurs fois, il a jamais fait, il fait l'autruche, s'il a rien à se reprocher, il porte plainte contre pour diffamation contre moi. Il a été interrogé par le juge. Il y a le PV dans le dossier. En 95. Donc, c'est pas une histoire que j'invente hier. En 95. Il y a déjà son nom dans le dossier. Parce qu'il y en a qui essaient de faire croire que j'essaie d'inventer des histoires, pour pas trouver des excuses, parce que maintenant j'ai été arrêté. Alors là, messieurs, dames, je vous dis, vous avez tout faux. Tout ce que je dis là, sur l'affaire, le blanchiment, l'argent, qui est le commanditaire, comment ça s'est passé, etc., je le dis depuis 1995. Il n'y a rien de nouveau. Le mec qui dit la même chose depuis 30 ans, je ne sais pas, moi, mais qu'il y ait au moins une personne qui se dit, attends, le mec qui raconte la même chose depuis 30 ans, et si il disait la vérité? Et si il disait la vérité? Parce qu'il y a un truc paradoxal. Il y a quand même peut-être ceux qui sont lents du cerveau, excusez-moi, hein, ceux qui sont lents du cerveau peuvent le croire. Mais d'un côté, on me dit repris de justice, braqueur, blablabla, blablabla, et on va me libérer avant le procès parce que, oh, le pauvre petit, il a fait la détention, elle est trop longue, la détention pour mon petit. Attends, à l'époque, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas la détention trop longue. Tout ça, c'est des trucs nouveaux dans les systèmes judiciaires. À l'époque, si tu étais coupable et si tu avais un casier judiciaire, tu restais en préventive jusqu'au procès. Alors moi, qui ai un casier judiciaire long comme le bras, comme ils disent, etc., etc., qu'on m'accuse de kidnapping, de torture, assassinat, on va me libérer avant le procès? Jamais. Pour 5 ans, 6 ans, avant qu'on te dise pardon, désolé, en fait, on s'est trompé. Franchement, ça ne tient pas debout. On m'a libéré avant le procès parce qu'ils ne voulaient pas de procès public pour pas que l'affaire des comptes de Miami soit étalé sur la place publique. Voilà, ça s'arrête là. C'est ça. Et si j'avais vraiment quelque chose à me reprocher dans l'affaire du Guatemala, je le dirais et ce sera ma conclusion. Si j'avais vraiment quelque chose à me reprocher pour l'affaire du Guatemala, pourquoi en 2000, quand ils me libèrent, je vais prendre le risque de retourner au Guatemala pour faire une enquête? Sous le nom de Olub Bohumil, je le dis, c'est facilement vérifiable.
alors que je peux me prendre une balle dans la tête quand j'arrive là-bas, si les narcos, ils savent que je suis de retour. Pourquoi je vais prendre le risque de retourner au Guatemala? Il faut vraiment que j'ai une bonne raison d'y aller. O'Connell t'attend, quoi. Ouais, il serait heureux de te tomber dessus, quoi, on va dire, quoi. Tu aurais pu disparaître et on va pas me dire que j'ai voulu retourner là-bas parce que j'avais enterré un magot au pied de l'arbre. Non, si je retourne au Guatemala, c'est que je suis sûr de pouvoir prouver mon innocence et l'innocence des gamins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même fait 18 ans de prison. Ouais. Gratuit. Donc, si là, il n'y a pas une question morale, au moins qu'on me laisse revenir en France et qu'on me laisse m'expliquer devant un jury et qu'on laisse le jury décider qui c'est qui ment et qui c'est qui dit la vérité. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais c'était parfait. Hein. Tu as bien... Là, tu nous as bien détaillé, bien expliqué le pourquoi du comment. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair, par exemple, que ce qu'on a pu voir hier soir où tout était à charge et il ne faisait aucun doute que tu étais derrière tout ça. Et là, encore une fois... Ce qui serait bien, c'est que la réaction d'un journaliste... Oui. Sa contribution à la démocratie et qui défende l'honneur des journalistes aussi, parce que ça donne pas vraiment pas. Moi, on m'a appelé toute la journée au sujet de ce documentaire et tout me dit, mais attends, il demande même pas si je suis coupable ou pas coupable. Ils me disent, mais attends, Thierry, c'est quoi ce documentaire? Le mec, il t'accuse, il est juge et juré en même temps. Le journaliste. Il me dit, c'est pas un journaliste qui a fait ce reportage, c'est pas possible. Il est tout à charge. Voilà, ça sent mes amis, le coup fourré, quoi. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez un retour d'un journaliste, et ou si quelqu'un a des contacts avec un journaliste, et pour le journaliste, c'est bien de sortir une bonne affaire avec des documents à l'appui, bien sûr. Ce que je dis, ça n'a pas d'importance. C'est ce que je peux prouver qu'il y a de l'importance. Voilà, ouais. Parce que tu peux prouver des choses, tu as des documents toi aussi qui ne sont pas encore sortis ou qui pourraient peut-être faire avancer J'ai pas encore mis tous mes jokers sur la table, j'attends d'être en France pour faire ça. Voilà. Bien sûr, oui, c'est bien ça. Mais oui, quand même. Normal. Les amis, merci beaucoup. Donner l'antenne. Merci, je sais pas combien de personnes ont... Écoutez, mais bref, ça fait du bien de parler quand même. Et on était une trentaine, quarantaine à un moment. Oui, mais après, en replay... Voilà, le replay, ça va multiplier par 10. Oui, les gens arrivent après, le soir, ils se mettent ça... Ouais. Et on va le partager, le repartager, et ça va, t'inquiète, il y a des centaines de personnes qui vont entendre, qui vont écouter. Ouais, l'important, c'est qu'il y ait des journalistes qui réagissent. Oui. Je sais pas. Vous connaissez pas un blogueur? Un blogueur. Ça, c'est beaucoup les jeunes. Ouais, c'est beaucoup les jeunes sur les blogs, mais on peut. Mais j'ai blogué moi à une période et ouais, on peut essayer de ouais, on peut en parler à quelqu'un qu'on connaît. Il a beaucoup de travail, hein. J'en connais un deuxième. Je lui demanderai ce qu'il en pense. Je lui dirai d'écouter. Non, mais je suis.
Je suis prêt à. Qui sont très réputés. Je suis prêt à dédommager. Bon, s'ils ne partent pas dans des prix extraordinaires. Je pense pas qu'ils aient besoin d'argent, quoi, ces gens-là. Ils ont. Je te parle de journalistes qui sont du métier. Je promets rien, mais je vais leur en parler, quoi. Et c'est deux sacrées personnes. Et j'essaierai de voir avec une troisième, moins connue, mais qui peut faire du bruit aussi. Voilà. Voir après, ouais, parce qu'il faut beaucoup de travail, et c'est comme ils sont, hein. Ils ont un travail des fois, voilà, mais il suffit de leur dire, voilà, et de tomber au bon moment, et pour que, ben, ouais. Eh ben là, après complément d'enquête, tu sais qu'il y a, il y en a qui se battraient pour être dans complément d'enquête. Bien sûr. On peut oui. en parler à une journaliste bientôt. Je te promets rien, tu vois, je vais leur en parler, je vais leur vendre ça de la meilleure des façons. Après, elles viendront écouter, elles feront leurs recherches. J'ai les documents. J'ai les documents qui prouvent ce que je dis. J'ai les documents du gouvernement indonésien qui prouvent totalement ce que je dis. Et j'ai tous les documents nécessaires pour prouver mes dires. Mais ça, on en parlera en privé. Mais entre nous, mais on est toujours à l'antenne là. Ouais. Oui, on est toujours à l'antenne. Mais on va couper comme ça, on peut. Je croyais qu'on était à l'antenne. Ah d'accord. On va dire au revoir à nos amis. Merci les amis. Merci à tout le monde. Merci à vous. Ceux qui connaissent un journaliste, passez l'information, s'il vous plaît. Voilà quoi, tout le monde, voilà quoi, les amis, faites-vous vos, voilà, pensez de la façon dont vous voulez, essayez de, voilà, d'en parler autour de vous, si vous connaissez du monde, c'est pas qu'il a fui la vérité, c'est que il se doutait, Thierry, que il aurait eu du mal peut-être voilà. Les amis, quoi qu'il en soit, on se revoit bientôt. On essaiera d'avoir Thierry à nouveau. Et si il a du nouveau de son côté, si on en a du nôtre, on essaiera de oui, l'important, c'est que la France explique pourquoi il refuse mon retour. Ils veulent me juger ou ils veulent pas me juger. S'ils veulent me juger tant que ça, comme soi-disant ils le disent, pourquoi ça fait trois fois qu'ils annulent mon expulsion vers la France? Ils ont qu'à m'arrêter à l'aéroport quand j'arrive, c'est simple l'histoire. Oui. C'est quand même un point d'interrogation énorme. Alors ils disent, ah oui, c'est les compagnies qui ne veulent pas, c'est bidon. Voilà, c'est ça le point. C'est ça. Voilà, je vais vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Et de toute façon, on se tient au jus. Hein, on se tient au jus. Je te promets d'en parler à deux, trois personnes dont c'est le métier, en plus, ce genre d'affaires. Et de voir si elles ont le temps, parce que tu sais bien, elles sont toujours très très occupées, et c'est compliqué des fois de leur parler, des fois tu leur parles, t'as des réponses trois semaines, un mois après, c'est pas facile, je te jure, mais je tenterai le coup, ouais. Et voilà quoi, je leur dirai, écoutez bien ce qu'il a dit. Ouais, parce que là c'est le bon moment, avec complément d'enquête, c'est le seul truc positif qu'il y a. C'est de me remettre un peu dans l'actualité et peut-être les journalistes, à mon avis, avec tous les posts qu'il y a sur Twitter et tout ça de compléments d'enquête qui me concernent, je veux dire, ça a déjà fait le tour de toute la presse. Oui. Ton nom est connu, archi connu là. Oui. Et donc c'est un bon moment pour que les journalistes s'intéressent
veuillent s'intéresser à moi puisque je suis dans l'actualité. Oui, oui. Et je peux leur passer ton mail, enfin ton... Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, oui, d'accord. De toute façon, il y a des gens voilà, très intéressants et qui sont du métier, on va dire. Voilà. Eh bien, les amis, on se quitte. On se dit à bientôt. Hein, à moins que Maria... Et tu envoie-moi le lien de la diffusion, ok ? S'il te plaît. D'accord. Ouais, ouais. Mais si tu es inscrit à Fréquence Radio, il suffit que tu t'inscrives et tu auras tous les liens de tout ce qu'on a fait. Hein. Et Maria va rajouter quelque chose qu'elle a récupéré il y a quelque temps, voilà, qu'on nous avait enlevé. On disait bien qu'on nous a détruit une chaîne juste après avoir parlé avec toi, pratiquement. Comme si que ça dérangeait, apparemment. Ça a dérangé. J'ai pas le nouveau compte alors. Alors, je t'envoie, oui, parce que c'est vrai, on avait changé de chaîne. Je t'envoie directement voilà, pour que tu t'abonnes. Je vais t'envoyer le lien de la nouvelle chaîne. Comme ça, tu auras tout à portée de main. Voilà. Hop. Ok, pas de problème, merci. Et je te l'envoie de suite. De suite. Là, je l'envoie maintenant même. T'as collé. Voilà, comme ça, tu peux réécouter. Et tu pourras même voir l'ancienne vidéo qu'on avait fait à l'époque, il y a un an et demi. J'essaierai de la remettre. Voilà, Maria va essayer de la remettre. Ce sera super de sa part. Et Thierry, j'espère qu'on va se revoir bientôt avec des bonnes nouvelles ou des moins bonnes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on reste proche de toi. J'espère que bonnes. Bonnes, et oui. J'espère des bonnes nouvelles et voilà quoi. On va chacun de notre côté essayer de voir ce qu'il y a à faire et ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Et au cas où, on te tiendra au courant, Maria ou moi, de ce qu'on entend, de ce qui se dit et pour te tenir au courant quoi. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir et à demain, les amis. À demain, les amis. Et merci Thierry et Maria. Merci, ça a été un beau live. Bravo Thierry. Surtout vous deux. Voilà, moi. Mais bon, il est parti Thierry. Donc, ça coupe. Oui, il est loin. Alors, des fois, ça coupe. Ouais, ça coupe. Bien. Bon, au revoir. On l'entendait plus, là. Ça veut dire que c'était bloqué. Je pourrais mettre la vidéo à continuation. Non, je la remonterai. D'accord. Eh bien, bisous à tout le monde. Ciao, les amis. Et ciao, à demain. Bonne soirée à tous. Tu veux pas rester 2 minutes pour au cas où ou non, remarque, on refera une vidéo pour parler de tout ça, pour réexpliquer un peu. Ben, si tu veux, on peut mettre, mais seulement elle dure 3 heures. Tu veux qu'on parle un peu de l'actualité là, 5-10 minutes. J'ai pas beaucoup, si tu veux, moi j'ai encore. 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'on. Je suis en train de manger une orange sanguine. Ah, oh là là. Sanguinaire. Ouais, elles sont toutes rouges. Ouais, elles sont bonnes. C'est l'époque maintenant, c'est très peu de temps, l'époque. Mmh. Et je vais m'allumer une cigarette si je trouve. On va la fumer ensemble. Voilà, si je trouve un mechero. Ouais. Comment on dit un mechero? Un briquet. Un briquet. Tu me fais peur. Un mechero. Yes. Mechero. Alors, salut Agnès Nacho, salut Amiable, salut Baxou. Thierry, qui faut l'écouter, hein, vous savez, quand vous l'écoutez, tout n'est pas si simple. C'est vrai que beaucoup lui ont de suite, un journaliste, plutôt un journaliste, hein, un gars dont c'est le métier des affaires, des affaires un peu comme celle-ci, quoi. Et sur mon Twitter, sur un truc, j'irai parler un peu à droite, à gauche.
Maria de son côté, peut-être, elle aura aussi. On en parlera en privé de ça, Maria. Hein. Tu me diras ce que tu en penses, ce qu'on pourra faire. Je te dirai, t'attaque. Je connais bien X, Y, t'attaque. Et par rapport à une personne aussi. Enfin, ça reste entre nous parce que voilà, on en parlera en privé. Oui. Alors, est-ce que tu as entendu que un peu d'infos, les amis, et merci à Thierry. Thierry, voilà, qui est venu, voilà, nous expliquer pour, c'est pas la première fois. On s'était perdu de vue un petit moment parce que, ben, on avait refait une nouvelle chaîne. Et c'est vrai que, après, bon, ben, voilà, on s'était concentré sur ce qu'on avait fait. On avait beaucoup travaillé au départ pour rappeler, je te rappelle, Maria, on avait rappelé, on avait envoyé beaucoup de messages sur Facebook, hein, pour que les gens viennent se réinscrire. Ça nous avait pris du temps, donc on avait oublié de réinscrire Thierry, et voilà, qui ne nous voyait plus, qui pensait qu'on n'était plus là, quoi. Hein, c'est ce qu'il m'avait dit. Et je lui avais dit, ben non, Thierry, non, on reconstruisait notre chaîne. Et une de plus. Et oui, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mais ça s'arrête. Mais voilà, quoi. Si vous avez vu Complément d'enquête, ben, ils ont été faciles, quoi. Ils sont rentrés dans la facilité, Complément d'enquête. Ils se sont pas cassés le derrière. Ils ont un peu suivi la police, la direction nationale de recherche des types qui sont en cavale, des personnes en cavale. Ils leur ont lâché les infos qu'ils ont bien voulu. Mais en général, ils lâchent ce qui va dans leur sens. Oui, un tel, attention, méfiez-vous. On voit l'ancien avocat dans Complément d'enquête. On voit l'ancien avocat. Tout le monde est contre lui, quoi. Tout le monde est contre, vraiment derrière lui. Personne n'a tenté de se dire, mais attends, il pourrait peut-être y avoir une autre piste. Cette autre piste, elle pourrait ramener à d'autres personnes, mais ça peut-être ramener encore à d'autres personnes et à d'autres, et là, on arrive peut-être aux politiques, mais là, bon, on peut rien dire, nous, parce qu'on est au courant de rien, hein, on n'était pas là, on peut pas se permettre de dire quoi que ce soit. Je dis juste que tout est possible, comme... tout le monde peut se tromper, voilà quoi. Sinon, pour ce qui est de ce qui se passe actuellement, je vais vous montrer une petite vidéo. On la voit pas souvent, mais c'est la Corée du Nord qui a publié une vidéo de ces soldats qui s'entraînent dans l'intense hiver. Bon, un peu de voilà, pour changer un peu. Elle est bien, la vidéo. Ben après, oh là là, les Coréens, là, ah ben bien sûr, ils ont mis les. C'est propagande. Hein, on est bien. Mais bon, voilà. On n'en voit pas. Entre les deux Corées, c'est un. C'est que la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. D'accord. Là, regardez un peu les Coréens. Ils ont des abdos, hein. Ils prennent les meilleurs. Ouais. Sur un arbre. facile, on faisait ça gamin à 14 ans, 13 ans. Quoi. Ouais, bon, voilà, mais ça c'est un peu la propagande, voilà, ça fait marrer, je veux dire. Voilà, c'est un peu pour faire un peu de... déstresser un peu. Après, pour la guerre, les Russes attaquent à Crimée. Ils accusent. Ouais, attaquent et commencent à accuser la France, parce que tu sais que Zelensky est parti il y a 2 jours en Grande-Bretagne, et puis en France, puis à Bruxelles, voir un peu les responsables de l'Union européenne. Et on ne sait pas ce qui a été dit. Est-ce que tout est resté... est-ce qu'on a fait des promesses? Après, les promesses ne veulent rien dire, quoi. Mais bon.
Est-ce que bah, tu as compris quoi, toi, Maria, de tout ça, en résumé, quoi, Zelensky à Londres, à Paris, à Bruxelles, je crois que ça a pu lui apporter quelque chose. C'est toujours des appuis. C'est aussi démontrer à Poutine qu'il a les grandes puissances comme la Grande-Bretagne et la France. On en parle mal. C'est notre pays. On peut la critiquer, mais dans le monde, en Europe, c'est quelqu'un. Les Allemands, ils sont un peu missing in action. Là, ils savent pas quoi faire. Le cul entre deux chaises, ils se chient un peu dessus. Donc, la France a pris un rôle un peu prépondérant. Macron, on sait qu'il aime bien ça. Il a pris goût quand il était président de l'Europe, là, il y a quelques mois. Donc c'est aussi de la propagande pour son pays et pour contre et à la Russie, elle dira à Poutine, regarde, j'arrive ici, ils vont me donner du fric, ils vont voilà, c'est j'ai les appuis. Donc pendant que j'ai les appuis des armes européennes ou OTAN ou etc., je peux la guerre, tu vas pas la gagner. Et c'était un peu ça. Après, les armes, elles doivent arriver. Les Russes savent que les léopards arrivent, que plein de choses sont en train d'arriver, vont arriver. Donc, ils doivent, s'ils pensaient faire la contre-offensive en avril ou voilà, et ben ils vont un peu le faire avant. Le temps accompagne, on va dire. Mais ça, il l'a compris. C'est très bien ce que tu viens de nous dire là. Le fait que Zelensky se dise oula, attention, les Russes vont attaquer avant avril, là, peut-être en début mars, tout ça. Ce qu'il est en train de raconter, c'est ne nous envoyez pas le matériel en avril, envoyez-le nous le plus rapidement possible en mars. On a besoin de l'avoir. En fin février, mars, pour qu'il soit opérationnel en avril, début mai. La date fin février, ça serait un an, ça serait voilà la vraie attaque. Poutine dirait ouais. L'attaque avant, de Poutine, c'était un essai. Aujourd'hui, on attaque pour de vrai. Les satellites, pour parler de ça, excuse-moi, je te rends le truc. Les satellites américains ont bien remarqué qu'ils n'avaient pas concentré assez de troupes. Ni de matériel, ni de quoi que ce soit, pour pouvoir lancer une offensive générale. Là, par contre, ils seraient capables de lancer une offensive, les renforts arriveraient par derrière, donc ça serait une offensive à escalier, quoi, où hop, on envoie... offensive générale, il faut mobiliser beaucoup de matériel, et les satellites, dès qu'ils bougent, ils sont... Ils sont au courant. Par exemple, ils étaient au courant que le 24 février 2022, il avait amassé beaucoup, que derrière, on voyait qu'il y avait beaucoup, les entrepôts étaient pleins, les trains arrivaient remplis. Là, ils voient que c'est pas le cas, mais qu'il a suffisamment de troupes pour lancer un début d'offensive qui pourrait être rejoint par des troupes petit à petit, comme ça. Ça serait peut-être une mauvaise chose de sa part, mais c'est peut-être la dernière chance qu'ils ont de pouvoir gagner, parce que dans quelques mois, les Ukrainiens vont se retrouver avec du char Léopard. Apparemment, les HIMARS à 150 km. Et les HIMARS qui peut intouchables. Attaquer les munitions, les endroits comme ils ont fait d'habitude. Et puis ils peuvent taper de très loin, c'est-à-dire qu'ils seront intouchables, à part si on envoie de l'aviation, mais apparemment, vu les systèmes qui vont protéger les HIMARS, tu sais, les fameux... ça va faire poum dans l'aviation russe. Le Sukhoi 57, il est en très peu. On se demande même s'il n'en existe pas juste 4 ou 5. Tu sais, les avions de furtifs russes, quoi. Tu nous disais une fois, il y en a 1, 2 à tout casser. Peut-être qu'il y en a, ils en ont peut-être 4 maintenant, à la rigueur. Et c'est pas ça qui va faire quelque chose, quoi. Mais la peur de Moscou, c'est les Russes ont des réserves, et que ces réserves, elles arrivent avec un matériel beaucoup plus... alors, c'est pas un matériel
le matériel ultra moderne, tout ça. Par exemple, on a les Allemands. Les Allemands, Maria, ont offert 100 chars supplémentaires, mais des Léopard 1, cette fois-ci. C'est-à-dire le modèle. Ouais, mais tout est bienvenu pour les Ukrainiens. Bien entendu. Le Léopard. Les Russes, ils diraient pas non si les Allemands leur offraient les chars. Là, il y a Oryx qui est un groupe qui très sérieux dans les données. Et donc il dit que Oryx a dit qu'ils avaient confirmé 1000 pertes de tanks russes, de différents tanks. Depuis et le début de la guerre ou oui, depuis le début de la guerre. Alors moi j'ai 1800 chars lourds russes détruits. Oui, mais eux ils sont conservateurs. C'est des... plus 544 capturés. Ah voilà. Mais... alors donc ouais voilà. Alors voilà, ça ferait le chiffre. Voilà, donc on serait vers les 1600. Donc, on serait pas loin, oui, parce qu'ils comptaient les chars capturés aussi, hein, ceux qui avaient été capturés en grande partie dans le Nord. Mais ce qui s'est passé dans le on Nord... On se rappelle au début de la guerre, vous vous rappelez, tous les gens, les folie, avec les, comment ça, les tracteurs qui remolquaient des chars, et il y avait des vidéos tous les jours, les Ukrainiens qui remolquaient les chars, et qui les... voilà, c'est... ça a été donc les pertes humaines et matérielles des Russes est énorme. Oui. L'aviation, c'est ce que je ne comprends pas. Ils ont des pertes, mais elle n'est pas active dans les guerres qu'on a vues, les dernières guerres modèles. On a l'image, on va dire, des États-Unis. Un peu, et même de la Russie en Syrie. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Les avions, ils bombardent, ils attaquent au sol, et puis après, c'est l'infanterie qui rentre derrière. C'est l'ABC, il faut pas non plus, c'est déjà tout inventé. Est-ce qu'il est en train d'inventer une autre chose, Poutine, dans la guerre? Mais voilà. Où est cette aviation? Et depuis le début de la guerre, voilà, ça, c'est la première chose que dans une guerre, c'est l'aviation qui rentre, et qui nettoie le terrain, on va dire, pour que l'infanterie. Au départ, ils en avaient pas besoin de tout détruire parce que ils avaient tellement faussé la première partie de la guerre, c'est que les Ukrainiens, comme en 2014, qui était une armée bidon, allaient se rendre. 50 avions, on les bombarde, on a même pas besoin de notre aviation, quoi. En gros. Voilà. Donc, comme on va rentrer à Kiev, l'homosexuel là qui est drogué de Zelensky et tout ça il va partir en courant avec la queue dans le et tout ça a été faussé. Donc ils ont pas ils ne sont pas rentrés dans une guerre à tout détruire parce que bon, si je rentre je détruis après je dois reconstruire. Donc on rentre on va avoir quelques morts, surtout ukrainiens, mais ils vont se rendre et voilà, et on va faire la fête. Seulement à partir de là, non seulement ils ne se rendent pas, sinon que quand on voit les 65 kilomètres de camions, chars, tout ce qu'il y avait là-bas, et que les Ukrainiens commencent à s'en donner à cœur joie dans l'arrière. En cassant tout l'approvisionnement, à un moment donné, les camions, les chars, tout ce qui était devant, ben s'est arrêté. Il n'y avait pas de nourriture, il y avait rien. Et on voit là que toute la tactique de la guerre, la tactique était toute faussée. Donc la stratégie, c'était encore je sais jamais ce qui va avant. Encore plus faussée. On voit. Qu'aujourd'hui, un an après, ils ont changé la tactique totalement et ils savent que les Ukrainiens vont se battre jusqu'à la fin. Donc, très différent comment ils sont en train d'attaquer, mais ils n'ont pas les moyens d'attaquer dans tous les fronts. Exactement, je vais te dire ce que je pense, non, bien entendu, ils font comme les Allemands qui soit attaqué soit au sud, soit au centre, soit après au sud, soit à l'extrême sud, au Caucase et Stalingrad. Ils avaient mis tout le meilleur matériel, leurs meilleurs hommes, etc. Il ne s'agit pas de 400 000 hommes, 500 000 hommes perdus pour l'Allemagne. Il s'agit de 500 000 soldats qui font partie de leurs meilleurs hommes
avec le meilleur armement, avec trois fois plus d'artillerie légère ou de campagne ou de ceci ou cela supplémentaire, avec des véhicules blindés en veux-tu en voilà. Ils ont pratiquement perdu un tiers de leur véhicule blindé léger rien que dans cette bataille, alors que le front fait 1500 km, c'était pareil, ils ont perdu énormément. Mais moi, pour l'aviation russe, rapidement, ils ont compris que les Ukrainiens avaient du matériel, toi-même tu le disais, ils ont eu ils ont commandé du matériel aux Chinois parce que les Russes ne pouvaient pas voler trop haut avec leurs avions pour bombarder. Donc, ils devaient voler bas. Et en volant bas, paf, ils se faisaient allumer. Donc, on a mis des avions qui valent 50, 60, 80 millions de dollars de côté parce que ils se faisaient toucher une fois sur trois. Et avec le nouveau matos qui est arrivé, c'est pour ça que les Russes n'étaient pas contents quand ils ont vu que les Américains filaient, et les Français aussi, les Français filent le système Mamba, le système, deux systèmes anti-aériens très 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 forts, plus les Américains avec leurs missiles d'interception, celui qu'ils avaient, j'ai oublié le nom, la batterie anti-missile, la batterie anti-aviation, comment il s'appelle, c'est ce gros missile là qui vaut cher, qui vaut 2 millions pièces, mais qui est faite pour n'importe quel avion russe, même le Sukhoi 57. Le Sukhoi furtif russe peut s'en prendre plein la gueule, quoi. Et là, pour les ventes de matériaux militaires russes, ça serait, Maria, une déconvenue, ça serait terrible pour eux. Et pareil, quoi, les Ukrainiens sont en train de demander donc de l'aviation, sont en train de demander des missiles longue portée, ils demandent vraiment une armée moderne. Bon, c'est pas le matériel le plus, on va leur filer le vieux matos, mais vu la gueule de l'armée russe, c'est une armée qui est restée au XXe siècle, quoi. En 1999, l'armée russe d'aujourd'hui, elle était pas mal, quoi. 25 ans plus tard, elle est, je vais pas dire obsolète, mais face au niveau, au nouveau matériel américain et européen, elle est obsolète. Elle est obsolète, elle est complètement, voilà, quoi. À ce qu'on voit, sinon ils cachent bien leur jeu, donc. Mais à cacher le jeu, voilà, c'est non. Trop. Ils sont vantards, ils se vantent depuis des années, ils cachent rien. Parce que il y a des batailles où il aurait fallu que ce matériel soit là, et Poutine voulait la victoire à tout prix, il aurait pu mettre tout ce qu'il avait. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est mis même à parler, s'il faut, d'armes nucléaires tactiques. On lui a dit, oh, tu vas trop loin, ouais, mais à part ça, on a quoi? Mais on n'a rien. On a juste le nombre. Il faut juste envoyer des troupes supplémentaires. À la rigueur, quand on dit que les Allemands vont offrir des chars Léopard 1, ben le char Léopard 1, face au T-72, il se débrouille. Hein, face au T-80, les premiers modèles de T-80, il est pas mal, quoi. Donc, avec les Léopard 2, avec les Challenger 2, avec les chars Leclerc, bon, on va sûrement leur filer les premières versions des Leclerc, quoi, celles de 95, 2000, ok, mais pareil, quoi, ça va, ici, ils sont en nombre, et ils seront en nombre, parce que les Allemands vont, ou d'autres pays vont filer des Léopard 2 aussi à gaver. Et en tout, le nombre de chars lourds qui va bientôt arriver sur le front côté ukrainien, ce sera plus de 600. Les Patriotes, merci Soldat 94, merci mon ami, merci beaucoup mon ami, les Patriotes. Ils demandaient 300 chars lourds, ils vont en avoir 600 en tout.
C'est quoi ce... ont été promis, et avec les 100 et quelques Léopard 1 qui vont arriver, Maria, ça fait pratiquement 600 chars. Oui, après, il faut les gens qui sachent, c'est bon, les avoir, mais après, il faut savoir les conduire et opérer les systèmes. C'est quoi ça, ce qu'on voit? Là, on voit, là, c'est un véhicule blindé léger. C'est quoi, c'est du matos de quel pays ça? Je vais regarder. Américain, peut-être? Ouais, ça m'a l'air d'être du britannique ou de l'américain. Ouais. Mais ça pareil, hein, il y a plus de 1000 véhicules à peu près en tout. Là, ils ont hérité de pratiquement 600 chars de combat occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont jamais eu, même quand ils avaient 2000 chars, même quand ils ont piqué les 600 chars là aux Russes dans le nord du pays là, ils ont quoi? Ils avaient 1200, 1300, ils ont jamais été aussi, même s'ils en ont 600, c'est pas 1200, 1300, mais c'est 600 de qualité, quoi. Ils vont être deux fois, trois fois plus forts que ce qu'ils l'étaient il y a quelques mois en arrière, quand ils commençaient à défoncer les lignes, à reprendre Kherson, à faire un peu de place devant Kharkov et à attaquer donc au nord-est. Là, ils vont. Si les Russes leur laissent le temps pour l'instant, il va être pour les Ukrainiens. Fini quand on disait le temps est pour les Russes. Non. Le temps, là, il est pour les Ukrainiens. Le temps, parce qu'ils ont parlé aussi des tonnes de marchandises. Ils ont commencé à expliquer que des usines en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, allait se lancer à la fabrication de munitions en tout type. Hein, les Britanniques vont fabriquer des munitions pour le matériel qu'ils ont envoyé, les Français aussi, les tatatis aussi, les tatatas aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur livrer du matériel tous les mois. Ça c'est pour l'année prochaine, ça c'est pour dans plusieurs mois. Mais ils ont encore des réserves. Les Américains leur ont envoyé des réserves pour 2 ans. Ce qui veut dire, en gros, tenez 2 ans. Dans 2 ans, on va faire tourner les machines. Et tous les mois, on vous enverra en double, en triple, ce dont vous avez besoin en munitions, hein, de n'importe quel calibre pour n'importe quel véhicule. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les Ukrainiens vont être capables, alors bien sûr pour les pro-russes ou pour les Russes ou pour ceci, cela, c'est triste parce que les Ukrainiens ont des réserves, ils l'ont fait savoir, ils ont dit aux Russes, ben ramenez tout ce que vous voulez, on a nos réserves, on attend de savoir où vous allez taper et là où vous taperez, si c'est trop fort, on enverra une partie des réserves et on est en train de faire d'autres réserves. Quoi. Voilà. Avec le matos qui va arriver, ça va être... Et les combattants qui vont revenir, hein, qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis, qui sont au Danemark, en France, en Italie, en Espagne. En Espagne, il y a des Ukrainiens, hein, qui s'entraînent sur du matériel Léopard 2, je crois. Oui, et les Pays-Bas vont envoyer 18 Léopard 2. Aussi. Supplémentaire. Ah ouais. Ah, mais je te dis, ils sont à pratiquement 600, voire plus. Au bout d'un moment, ils vont ramasser plus de 600 chars lourds. Et c'est des chars pointus, hein. Même les Léopard 1, faut pas se moquer. Hein. Ça va être chaud. Et là, maintenant, c'est l'aviation, c'est l'artillerie. Bon. Taper loin, et les missiles, etc. Oui, Gamo, les chars Abrams datent de 30 ans aussi, mais tu sais, c'est comme un tu peux avoir par exemple un avion qui a 2 ans et qui est une merde, et tu peux avoir un avion qui a 30 ans, bien entretenu, bien
Et c'est un avion qui est beaucoup moins dangereux qu'un avion de 2 ans qui n'a pas fait la maintenance. Et le problème, c'est que en Russie, la maintenance, on a vu ce que c'était. Et en les armées de l'OTAN, plus ou moins, c'est beaucoup mieux. Mais surtout qu'il y a des générations, quoi. C'est-à-dire que le premier char Abrams qui est sorti il y a 30 ans, il n'a plus rien à voir avec c'est le comme char l'Airbus Abrams. 320. Par voilà, exemple, ici, voilà, ça aujourd'hui. N'a rien à voir. Ah, ouais, c'est comme on leur fait des updating, non, des upgrades. Ah, oui, il y a type 3, type 4, type 5 avec tout le modernisme. C'est comme les chars Leclerc. Les premiers, ils étaient bof-bof. On va peut-être filer cela aux Ukrainiens, mais ils sont super contents. Puis quand ils arriveront à bien le maintenir, celui-là, on leur filera un de deuxième génération, puis pourquoi pas des troisième génération, mais là, c'est déjà compliqué pour les Russes, hein, qui vont dire arrêtez de filer du matériel aussi moderne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait comprendre, oui, mais regardez, on leur donne des chars, oui, mais c'est une génération, c'est pas avec tous les ordinateurs, tous les trucs, tous les machins, toutes les options nouvelles, tous les défauts qui ont disparu, qui ont été gommés et qui ont été arrangés. Si on leur file des Charles Leclerc d'aujourd'hui, là, avec la quatrième génération de Charles Leclerc, elle a pas 30 ou 40 ans, hein, elle a à peine 2 ans, quoi. Et ils sont, c'est des tueurs, quoi. C'est des tueurs de chars. C'est pas des chasseurs de chars, c'est pas leur job. Mais je veux dire, ils sont capables de défoncer n'importe quel char ennemi, quoi. Voir en défoncer 3, alors qu'ils n'ont même pas le temps d'armer, de viser, de se faire déboîter, quoi. Là, les chars qu'on voit, c'est des chars, ils n'ont pas l'air d'être... Ben, il faut avec les moyens du bord, entre ouais, ce qui. Les moyens du bord, ouais. C'est-à-dire, ils affrontent la deuxième armée du monde, supposément. Donc, alors, ils se défendent pas mal avec les moyens du bord. C'est ça. Mais. Bon, ça, c'est un récopilatoire des vidéos. Celle-là, on l'a vu avant. Ce qu'on a vu un peu avant, voilà. Beaucoup de chats dans les vidéos des Ukrainiens, Jojo. Ouais. Beaucoup de chats. Donc, rien que pour ça, rien que pour ça, nous, Jojo. Ouais, avec eux, On est, ben voilà. Ben, chacun choisit son. Je pense que c'est, l'Ukraine, je m'en fous. Je veux dire, à la base, c'était pas un pays que je regardais beaucoup, j'avoue, mais quand un pays, un gorille, on va dire, attaque et rentre dans un pays, massacre, tout simplement parce qu'il en a envie, il envahit un pays libre, démocratique, avec tous ses défauts, mais tu n'as pas à envahir un pays, parce que si demain, moi, je pense que le Maroc n'est pas démocratique, pourquoi je me permettrais pas de l'envahir? Voilà. Et avec les... Donc, c'est ça. Je suis avec l'Ukraine parce que c'est un pays envahi. C'est David et je suis avec celui qui a été envahi, tout simplement. Et pour des raisons qui ne sont pas comme on nous sauvait le monde, les nazis, tout ça, c'est des conneries. On me prend, en plus, ils me prennent pour une imbécile maintenant. Je veux dire, en plus, au moins, et les cacahuètes de dire la vérité. Dire ouais, on va dénazifier tout ça, mais si vous êtes les plus grands nazis, les plus grands fasciste en Russie maintenant, le système est totalement fasciste. Ça me rappelle chaque fois plus Mussolini, plus que Hitler, je crois. C'est un mélange entre les deux, tu sais. C'est un mélange entre le Mussolini qui aime se faire voir avec les yeux voilà, un peu, et lui qui aime se faire voir sur le cheval, torse nu, tu vois. C'est un mélange de Mussolini. De Hitler.
Séguère est plus complexe que ça. Oui, elle est très complexe, mais elle est très complexe, mais un pays démocratique qui essaye de changer les choses, qui essaye de rentrer dans l'Union européenne, qui a des lois et tu dois être bien démocratique, plein de choses qu'on te demande et qu'ils essayent de le faire, de quel droit un autre pays va et dit, ben moi, déjà en 2014, c'est là le problème, en 2014 on a été faible, on aurait dû prendre Poutine et faire ce qu'on a fait aujourd'hui en 2014. Là, quand on est faible une fois et on se laisse taper et on met l'autre joue, je m'excuse, la troisième gifle, elle va venir demain ou après-demain. Parce qu'il y a toujours un puissant qui attaque un faible. Donc, on ne peut pas démontrer la faiblesse. Et là, en 2014, on a démontré la faiblesse. Les Allemands ont beaucoup à voir avec ça. Je les culpabilise de beaucoup de choses aussi et de tout ce qui se passe. Et là, on a démontré la faiblesse et aujourd'hui, on paye cette faiblesse avec beaucoup plus de morts, de destruction, de tout ce que vous voulez. Voilà. Mais faire croire que l'Ukraine va gagner est criminel. Moi, je ne fais pas croire que l'Ukraine va gagner. Je souhaite que l'Ukraine gagne. Un pays démocratique, oui, mais un pays démocratique, quand tu tues tes journalistes, quand tu n'as pas le droit de parole, etc., c'est pas un pays démocratique, la Russie. C'est qui a dit que la Russie était démocratique? Gamo. Non, Gamo. La Russie ne prétend pas être une démocratie aussi? Non, elle ne l'est pas. La Russie fait tout pour se faire passer pour une démocratie avec, comme il s'appelle, Depardieu et compagnie. Mais la Russie massacre toute opposition. Il n'y a pas d'opposition en Russie. Il n'y a plus rien. Ce pays, il y a 15 ans, 20 ans, avait commencé à rentrer un peu dans une ère nouvelle qui était très belle, quoi. Et depuis 10 ans, Poutine l'a annihilé, tout ça. Il a écrasé ce pays, il l'a mis à sa botte. Poutine et c'est Don Corleone, c'est une vraie mafia, ça fait des années qu'on le dit, ce type-là se comporte comme un mafieux, et je suis bien content parce que ça se reprend un peu partout. J'ai même entendu des trucs qu'on avait dit il y a quelques mois et qui sortent maintenant dans les télés, quoi. Mais un truc hallucinant, que le gars, il nous a écouté, quoi, celui qui a dit ça, c'est obligé, on a dit ça il y a quelques mois, alors je me souviens plus quoi, mais ça m'avait fait rire, quoi, j'ai dit, toi, t'as écouté Fréquence Radio, mec, hein, un détail pareil, y a pas photo, quoi, ah putain, c'est con, je m'en souviens plus, bah, c'est un général, quoi, le gars, il s'est mis à parler d'un truc dont on avait parlé, quoi, ça m'a tué. Il a pas fait sortir ça au hasard, il nous a écouté. En plus, il y a deux trucs qu'il a dit qui faisaient pratiquement partie de la même vidéo. Je te promets, je te le jure, c'est vrai, quoi. Oui, sûrement on fait des analyses. On est bon, ouais, ils y parlent maintenant un peu comme des attaques de Napoléon sur la Russie, ta. Ils parlent des généraux allemands à fond. Tu te rappelles que nous, dès l'entrée de la guerre, l'an dernier, en février, mars 2022, on faisait des comparaisons, on parlait de ça, et là. Et après, on a continué jusqu'au. Voilà. Et ben, de plus en plus, j'entends des trucs comme ça, machin, ça sort des noms de généraux qu'on avait. Bon, peut-être que avec le temps, ben, les grands esprits se rencontrent, quoi. Mais bon, nous, ça fait des mois quand même. Hein, mais bon, voilà. Ben, on se fait des petites fleurs, voilà. On n'est pas des abrutis. On a de la culture et on a aussi. De la jugeote, et ça fait plaisir, quoi, parce que comme on parle beaucoup, on oublie, et Tana, tu sais, ils parlent peu, ils font que du concentré, qu'ils vont chercher à droite, à gauche, et qu'ils sont incapables de sortir de leur tête, et comme ça, on a toujours l'impression que ils sont bons, quoi. S'ils faisaient comme nous, ils parlaient 24 sur 24, je te jure que rapidement, ils auraient plus rien à faire, hein. Ils feraient un live une fois tous les 6 mois, tu vois, nous, par contre, on tient la cadence, hein. Il faut le faire ce qu'on fait, quoi, et on en est fiers, quoi. On est les seuls à le faire d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on se répète ou si ou ça ou là. Mais on regarde rien du tout. On n'a pas le temps de regarder quoi que ce soit Maria ou moi ou certaines personnes qui passent, pas d'autres. Mais bon,
certaines, ouais. En tout cas, moi et Maria, c'est sûr, je la connais, je sais ce qu'elle a dans la tête, et pareil, et voilà, on est un peu fiers quand on voit que, au moment où, voilà, il n'y a pas de... Après, moi, tout ce que je vois de l'Ukraine, j'avale. Je veux dire, je sais que chacun fait sa propagande. Seulement, bien il y a entendu, de la propagande beaucoup mieux faite et beaucoup plus subtile que de la propagande grossière comme font les Russes. Il y en a qui font que ça. Les Russes, ils font voilà, que de la propagande. Mais elle est grossière. Elle insulte l'intelligence quelquefois. Donc, oui, tout le monde fait sa propagande, mais Zelensky, il l'a fait avec beaucoup. Il l'a fait beaucoup mieux. On va dire sa propagande, elle est beaucoup plus élégante, voilà, beaucoup mieux. Il ne prend pas, il nous. C'est pas la même. Zelensky a 10 000 Poutine, quoi. Parce que moi, je comprends pas ce que Zelensky l'a fait. Il y en a plein, ils lui en veulent, mais pourquoi ils lui en veulent, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, ce type. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il défend son pays. Il allait sûrement perdre les élections. Ça, c'est même pas sûr. Ça, bon, mais les sondages, mais chaque fois quand tu es au pouvoir, tout d'un coup, la situation change tellement que lui, il devient l'homme de la situation, il renverse son image, comme un homme, il devient un homme d'État pour de vrai. Punaise, il faut faire ce qu'il est en train de faire. Après, tu peux aimer, pas aimer, mais comment il a mis dans sa poche, comment il est allé, comment il s'est parlé à tout le monde quand il va la première fois qu'il fait la vidéoconférence avec le Parlement des Anglais, là, il commence à parler de comme si c'est Churchill, tu vois, il fait le discours de Churchill. Quand il va en France, il fait le discours. Il apprend très bien. Ben voilà, c'est un acteur, il sait très bien manipuler les centaines d'heures. Hein, voilà, il fait pas comme Poutine qui se cache pendant 3 mois, qui se prépare, ou comme certains qui mettent 5 jours à faire un live et qui sont là, Non, mais en plus, il est tous les jours, Maria, tous les jours, il bombarde. On va dire. C'est très, très dur à faire, ça. C'est pas n'importe qui peut faire marcher son cerveau comme ça. Croyez-moi. Il doit être fatigué, mais regarde, c'est pas seulement des vidéos, c'est pas seulement des voyages, c'est aussi que quand il y a une ville qui a été bombardée, etc., il va, on va dire, près du front. Il est sur place. Il va voir ses blessés. C'est une image que voit le monde entier. Et qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui empathise, qui prend des risques, on est en train de construire un héros. Leur propagande est très très bien. La personne qui est en charge de tout ça, elle est très très bien faite. Par contre, les Russes, c'est URSS, c'est bloc, c'est nous on commande, ou Gunga Gunga, on va vous lancer la bombe, Gunga Gunga. Russie. Donc, les hommes préhistoriques. Et de l'autre côté, ils ont très bien compris que les réseaux sociaux, ils ont très bien. Et la Russie, néanmoins, aujourd'hui, ils ont démonté, 500 bots, c'est comme des Russes, tu sais, c'est comme sur Twitter. Les silos. Les bots, c'est comme des petites. Input, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose qui envoie des messages et c'est pas une personne, c'est un robot. C'est des petites plaques et ils envoient des messages et là c'est des messages c'est russe, ils ont démantelé ça, je ne sais pas où. Je l'ai vu par-dessus. Donc les Russes s'appuient aussi, ils font beaucoup de propagande en France, en Espagne, avec des noms qui ne Pepito Pérez, et Pepito Pérez lance des messages tout le temps qu'on a programmé et c'est ça, c'est pas des personnes, c'est des ordinateurs qui lancent des centaines et des centaines de messages autour du monde dans les langues en se faisant passer par des personnes réel, quand ce n'est que des boots. On a BOOTS. Donc voilà. Mais maintenant, l'offensive, comment elle va se dérouler? Parce que l'offensive russe, parce que de quel personnel préparé dispose la Russie,
de quel matériel qui fonctionne, ouais. Et avec en plus les avec quel chat, avec est-ce oui, que ça et la munition, parce que s'il y a, il faut tout, ouais. C'est oh, l'homme, la munition, le chat. Je pense qu'ils en ont, mais c'est pour les amener devant, quoi. Que c'est pour que les munitions soient en temps et en heure sur le terrain et que les hommes n'en manquent pas. Si tu fais attaquer 200 000 hommes, il faut donc, c'est pas comme si c'était 6 000 hommes qui attaquaient à Bakhmout, hein. 200, 250 000 hommes, attaque généralisée sur tout un front. Si tu veux que tout le monde soit, c'est comme des commentaires sexy girl, je ne sais pas quoi, sur les chats des chaînes YouTube. Je crois que personne va gagner. Ah ouais, je crois que personne va gagner. Si, mais il peut y avoir une gagnante, quoi. Mais il faut laisser le temps aux Ukrainiens, ça, de, tu sais, peut-être dans 2-3 ans. Je reviens, Jojo, une seconde. D'accord, Maria, merci. Pas de souci à la soirée. Les Ukrainiens, les Russes, ce qu'ils ne se rendent pas compte, là, c'est que les Ukrainiens, ils peuvent tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans 4 ans, ils vont leur donner quoi, les pays d'Europe occidentale, les Occidentaux, ils vont leur filer des armes de plus en plus modernes. Ça va pas être les chars Leclerc ou les Léopard 1 ou Léopard 2 de première génération. Ça va être des Léopard 2, des chars Leclerc, des Challenger, des Abrams. De génération de plus en plus, oui, parce que les pilotes, ils auront fait 3 ans d'un Challenger comme ça, 1 an avec un autre Challenger, ben on leur dit, ben voilà, maintenant vous allez piloter le top des Challenger, t'imagines le top des Abrams, le top des Leclerc, ou à peu près quoi, le top, parce qu'on va les remplacer par le top du top du top, dont les pilotes français, américains et anglais, ça va à peine se... Enfin bref, on va leur envoyer un matériel de plus en plus adéquat, et vu que c'est un peuple de guerriers, les Ukrainiens, ils ont tous été, la moitié d'entre eux, les anciens ont été dans l'armée rouge, les autres dans l'armée ukrainienne, ils se sont battus pendant 2014, là aussi, les Russes, à avoir fait cette guerre là de 2014 à 2022, ça va pas les aider, parce que des dizaines, des centaines de milliers d'Ukrainiens, ils y sont passés par cette guerre, donc ils ont, voilà, et pareil, un an de guerre, là, c'est à 1 million, peut-être plus d'Ukrainiens qui sont passés par là, ça fait des soldats d'expérience pour les conducteurs de chars, ils vont, tu sais, t'en as des centaines et des centaines qui sont en train d'apprendre le métier en France, dans d'autres pays, etc., etc., etc. Mais ces types-là, dans 3 ans, ils seront instructeurs, ils vont apprendre à d'autres, si la guerre dans 3 ans elle dure encore, et on va leur filer un matériel encore beaucoup, beaucoup plus moderne. Les Russes, dans 3 ans, ils auront quoi? Ils vont pas sortir, ils ont pas le temps, là, ils ont des problèmes d'argent. Ils ont le T-14, là, en 2010, il était, ça y est, tatataf. En 2014, il devait commencer à sortir en nombre, il devait en avoir 2000. Et ils en ont 14. Donc, ils vont sortir aucun matériel moderne. Par contre, face à eux, ils vont avoir des chars. Ça va être quoi? Ça va être simple. C'est un peu comme si tu avais une guerre où on te sort le matériel de 39-45 et on est, pour les Américains, à l'opération Tempête du désert en 91. Tu as vu, les types, ils ont l'Africa Corps de 41, les Russes, qui arrivent, et face à eux, ils ont Tempête du désert 50 ans plus tard, en 91. Ça va être ça. Et ça, ils le savent. Et ils se chient dessus. Leur tank, leur blindé, leur aviation, ils pourront même pas bouger, pa, pim, poum, pam, pam, ça va être comme au Baltrap, ok, pas d'aviation, on fait quoi, l'artillerie, elle est repérée, elle est détruite, ok, on fait quoi, on envoie les chars d'assaut et l'infanterie quand même, et qu'est-ce qui se passe, nos chars se font défoncer un par un, aïe, 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 et chez l'ennemi, zéro perte à déplorer, mais ça, là, je suis prêt à parier une main, que si la guerre elle dure encore 2-3 ans, ça va se passer comme ça. Ils vont petit à petit leur filer le meilleur matériel, la crème, le plus moderne. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je suis tranquille. Jamais les Russes, ils iront s'attaquer
Je vais même aller plus loin. Je suis sûr que les Russes, pendant 10 ans, ils ont pourri la politique française, allemande, anglaise, ceci, cela. Hein. C'est pas pour rien que tu as des types comme Schröder, Fillon, ceci, cela. Les types qui ont fait en sorte que les budgets de l'armée nationale rétrécissent et deviennent, voilà, c'est bon, vous inquiétez pas, les Français, ils ont plus que 180 chars, quoi. Ouais, 180 chars, ok, ultra moderne, mais c'est pas grave, on a le nombre avec nos chars pourris, on s'en occupera. C'est-à-dire que tous ces types-là, là, ils se sont retrouvés dans des boîtes de pétrolières russes, dans des boîtes de gaz, de ci, de ça, de là, toucher des millions par mois, alors qu'ils ont été à la tête de la politique en France en disant, allez, on enlève, hey, Maria, tu es pas d'accord avec ça? Ça n'a pas perdu quelque chose. Moi, je suis sûr que si les Russes, je suis sûr que le FSB, pendant 10 ou 15 ans, il a travaillé pour que l'Europe occidentale soit non peace and love, pas de violence. Allez, vos armées, elles vont être toutes rikiki. En gros, l'armée russe, elle toute seule, en nombre et en ceci, cela, est supérieure à toute l'Europe de l'Ouest. On peut les attaquer. Et il voulait aussi, d'une certaine façon, que l'Europe quitte l'OTAN et rentre dans son truc, là, on ne sait même pas le nom, tellement il est important. D'OTAN aujourd'hui, nous, on n'est pas pro-OTAN, mais non seulement on n'est pas pro-OTAN, oui, mais on n'est pas pro-armée, le pacte de Varsovie, quoi, il manque plus que ça, quoi. À la rigueur, je préfère les Américains de l'OTAN au pacte de Varsovie qui viendrait nous emmerder, quoi. Mais putain, j'espère que c'est pour tout le monde le cas, quoi. Parce que ceux qui aiment trop les dictateurs virils, hein, c'est que eux-mêmes ont un problème de virilité. Hein. La virilité, c'est bon, hein, pas besoin de Poutine pour savoir que je suis un homme. Hein. D'ailleurs, Poutine est une tapette en plus. Mais je sais pas, mais de toute façon, ce que c'est un mauvais stratège. Un mauvais stratège parce que cette guerre, il l'a perdu déjà tellement de choses que c'est une défaite pour la Russie. Il a perdu l'honorabilité. On le veut plus dans aucun forum international. Avant, il était reçu comme César. Oh là là, Poutine, il arrive, tout ça. Ouais, Poutine. Et maintenant, il est personne. C'est comme s'il aurait la peste. Un peu la Russie, même si on dit oui les trucs qu'on a fait économiquement, oui ça prend du temps. On verra dans 2-3 ans comment l'économie russe, elle est en train de comment elle tombe. Oui, elle va mal. Elle va mal. Donc qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Là, il a déjà perdu. Il a perdu la moitié de ses chars. Il a perdu le prestige militaire. Parce qu'aujourd'hui, tu sais quoi, il croyait qu'au mois de novembre, on allait avoir Poutine, il était heureux, il disait, vous allez voir l'Europe de l'Ouest au mois de novembre, ils auront plus de gaz, ils pourront plus chauffer. Maria, tu chauffes à combien chez toi? À 11 degrés, à 8? Ben non, je veux dire, en plus, l'été, l'hiver, jusqu'à présent, a été assez doux. En plus, voilà. Oui, t'as eu aucun problème. Je veux dire, ils t'ont pas coupé le gaz, t'es dans la merde, non. Mais moi, pareil, personne en Europe, je veux dire, a des coupures. Mais j'ai rien du tout. Par contre, en Russie, il y en a, quoi. Ouais. Attends, excuse-moi, je reviens dans 2 secondes. Donc, c'est ça. C'est un peu cette défaite. Après, territoire, qui va gagner la guerre territoriale, tout ça, je ne sais pas combien elle va durer. Moi, je ne pense pas qu'elle va durer, Domenico, 3 ans. Je crois que ni l'Europe, ni les États-Unis veulent d'une guerre assez trop longue. Et je pense qu'ils vont forcer 2023, ça sera la fin de la guerre. Et ils vont forcer d'une certaine façon les deux pays à négocier. Mais les États-Unis ne vont pas le faire jusqu'à ce que l'industrie, la capacité militaire russe soit vraiment démolie pour voilà, avoir un ennemi de moins de s'occuper. Voilà, pendant que tu refais ton pays, d'une certaine façon, l'économie et tout ça, tu vas plus avoir envie d'attaquer personne. Donc, je vais me concentrer sur la Chine, Taïwan et tout ce business qui me convient assez. Donc, je ne pense pas que
Et laisser tomber tout d'un coup, bon, les pays, on est comme ça, la politique, mais laisser du jour au lendemain tomber l'Ukraine, tout ça, je ne pense pas non plus. Donc, je ne vois pas une guerre trop longue. Du moins, je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur, parce que, voilà, c'est tellement de morts de tous les côtés, hein. L'autre jour, j'ai vu une image là. Les Russes offrent aux maires des morts des manteaux en fourrure. À nous, ça nous choque, hein, mais ça doit être. C'est une culture différente, hein, je crois. Et quand on juge les cultures avec ton point de vue depuis ta culture, des fois, c'est difficile à comprendre. Alors, former un pilote, ça dépend. Former un pilote from scratch, ça veut dire de zéro. Oui, ça prend du temps. Mais des pilotes qui sont déjà entraînés peuvent changer d'avion, on va dire. Ça peut prendre 3 mois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'instructions qui se fait dans des... Comment ça s'appelle, dans des simulateurs. Par exemple, à la base de Torrejón, la base militaire que j'ai à côté de chez moi, il y a des F-18 et ils ont des simulateurs là où ils entraînent. C'est pas tout le temps avec les avions, donc ça dépend. Pas 3 ans, elle va durer encore 9 ans. Oh, Domenico, je veux pas que Dios no te oiga, voilà. Non. Ça va, on a dit ça va être plié en une semaine, là on est déjà à 1 an. Oui, mais je crois qu'ils vont forcer d'une certaine façon à une négociation, mais pour ça, il faut que les Russes comprennent qu'ils peuvent plus faire le ridicule et que Poutine soit à la fin capable de la défaite la vendre comme victoire chez lui. Mais les Américains ne vont pas lâcher au beau milieu de la tempête. Bon, après, je mets jamais la main sur le feu pour les Américains, parce que des fois, ils font des choses, on a vu dans les guerres, des choses bizarres qu'on ne comprend pas. C'est un grand tournant. Là, je suis d'accord avec toi, Gamo. C'est un tournant, mais on ne sait pas vers qui va encercler qui avec ce tournant. Et c'est là. Et on a vu, voilà, ils ont gagné Soldéar. Ouais, ils ont mis des mois et des pertes énormes à gagner Soldéar, parce que Barmouth, elle n'est pas encore prise. Mais Soldéar, c'est une ville de 10 000 habitants. Mais vous vendez Soldéar comme si c'était Paris ou Kiev. Il n'y a rien de bien. C'est quoi. Une ville de 10 000 habitants. Ils ont eu beaucoup d'hommes. Ils ont eu des pertes en hommes. Monumental. Je te jure, j'y croyais pas, moi, tout ce qu'il disait, Maria. Tu as vu, quand il commençait à dire, les soldats, ils parlaient sur Twitter, sur machin, bidule. Ils disaient, mais on tirait, ils approchaient, on en tuait. Mais il y avait des épaisseurs de soldats. Les types, ils allaient s'empaler sur ceux qui étaient déjà morts. Ils tombaient sur les morts, il y avait des centaines de morts. Ils les enlevaient. Après, le lendemain, c'était pareil. Ils disaient, mais les types, il y en a même un qui a dit, ils se sont sûrement drogués, c'est pas possible. Mais combien d'hommes? C'est pour ça que ils ont dit sur les 30 000 ou 40 000 prisonniers qu'ils ont fait combattre sur le front, ils ont été obligés d'aller chercher des prisonniers, quoi. 80 à 90% seraient morts, quoi. Ou handicapés, en tout cas, les autres sont handicapés ou ils sont morts, quoi. Voilà comment les Russes ont réussi à passer le temps pour que les Ukrainiens n'envoient pas de troupes à l'assaut et n'envoient pas 40 à 50 000 hommes frités après Kherson. Ben, tout simplement en envoyant 60 à 80 000 malheureux, voire plus, dont la moitié sont morts.
Oui, c'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Ils envoient des gens, leur peuple, à la mort. Seulement, il y a une différence. C'est que quand on dit les Russes, voilà, ils ont tenu le front là-bas et tout ça, mais on oublie de dire que le matériel était américain. Parce que sans le et aujourd'hui les Russes ils ont plus le matériel ni américain à la base un peu des Iraniens mais c'est pas non plus la technologie du monde mondial. Donc comment tu vas tenir si le problème c'est que est-ce que ton industrie est en forme de guerre et combien de chars munitions elle est capable de sortir tous les jours de la voilà. Et ça on le sait pas. Les États-Unis n'osent pas utiliser leurs satellites militaires. Les États-Unis, ils font tout ce qu'ils veulent à la base. Non, voilà. Ils ont peur de rentrer dans le conflit, oui, mais bon. Ils vont pas gêner. Voilà. Ils vont pas se gêner, mais bon. Ouais, ils vont pas se gêner, ils vont pas perdre la guerre parce que tout le monde regarde un peu les Américains aujourd'hui. Bon, l'OTAN, l'Europe, là on est. Oui, mais et ils vont pas devant les Chinois maintenant perdre la face. Et c'est aussi un truc aux Chinois. Regardez avec quatre merdes que je donne que je donne aux Ukrainiens. Regardez ce que je fais. Ils font avec les Russes. Alors imaginez-vous avec mes F-22, mes patati, mes patata. F-35, F-117, avec mes nouveaux missiles qui atterrissent au centimètre près. Enfin bref, les porte-avions. Le matériel de dingue, les porte-avions. Sous-marin. 80, pour 80 unités, des meilleurs avions, mais c'est même pas comparable, quoi. Ils sont en train de se moderniser, les Américains. En plus, ils font partir le vieux matériel en Ukraine qui est supérieur à ce que les Russes peuvent leur mettre en face, quoi. C'est même pas des soldats américains qui ont l'habitude de travailler sur ce matos. Qui vont se battre, hein. C'est des malheureux Ukrainiens qui n'y connaissent rien, mais qui apprennent sur le tard et qui s'en servent bien, quoi. Alors, j'imagine des professionnels, les types, ils te ratiboisent l'armée russe. C'est pour ça qu'on entend Poutine dire « Ouais, je vais m'en prendre à la France », il va rien faire du tout, ni au niveau économique où il est dans la merde. Plus son pays s'avance, l'année 2023 va pas être belle pour la Russie, hein. Normalement, ça devait être, je sais pas quoi, pour l'Europe. Pour l'instant, il y a quoi? Les prix ont augmenté, il y a ci, il y a ça. Ouais, ok, bon. Et après, que dalle, quoi. Par contre, eux, ouais, ils vont morfler, quoi. Normalement, on n'avait plus de chauffage début novembre, hein. Ben, novembre est passé, décembre est passé, janvier est passé, février va passer. Ben, après, quoi, mars, puis après, avril, voilà, puis c'est fini, quoi. La vie est belle, quoi. Et l'an prochain, ce sera pareil, et l'an prochain aussi. Et par contre, pour les Russes, je parle pas des Russes qui habitent à Saint-Pétersbourg ou dans les centres-villes, qui vont dans les gros restaurants, les oligarques, ou les petits, ou les moyens, ou tu vois, non. Je parle de la grosse majorité des Russes qui vivent pas bien, et dans certains endroits, il n'y a même pas d'électricité. De toute façon, si elle y était pendant 5 heures, il la ferme. C'est ça, hein, les pays. Tout ce qui est proche des soviétiques, t'as beau avoir du pétrole, du gaz, tout ce que tu veux, ils te ferment l'eau, l'électricité pendant des heures. Ah bon? Oui, parce que tout l'argent qui rentre, 80% rentre dans les poches des amis de Poutine, des oligarques, de la corruption, de la mafia. Il y a tout un monde qui grignote tout ça. Et quand ça arrive au peuple, il n'y a plus rien. Voilà, la vache, elle a tout donné, tout le lait, il ne reste plus rien. C'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que ça va de plus en plus, en plus en plus pour l'armée, quoi. Pour l'armée, tu sais. Et donc l'armée, pareil, hein, ils sont obligés de monter leur budget militaire à fond. Ça fait penser à l'histoire, ça. Hein, l'Union soviétique, on a déjà vu ça, elle s'est cassée la gueule. De la même façon, l'Union soviétique, hein, allez, nous, on a des missiles comme ça. Là, putain, les Américains, ils ont des missiles comme ça. Il faut qu'on en fasse des comme ça. OK. Mais les Américains, c'était un jeu qu'ils étaient en train de jouer. Ils envoyaient des trucs bidons, des machins, des ceci, des cela. Les autres, ils y croyaient, ils voulaient plus gros. Ils voulaient plus gros. Les dire, allez, nous, on veut la paix.
Allez, on s'en fout, on fait vivre notre peuple, ce qui fait que, putain, la leçon ne leur a pas servi une fois. C'est pour ça, moi, je suis triste pour les Russes qu'ils aient hérité d'un gouvernement, tu sais, où tu retrouves Pablo Escobar, Al Capone, Lucky Luciano, tu sais, que des mafieux, quoi. Que des mafieux. Celui qui applaudit Poutine aujourd'hui est un criminel, quoi. Est un criminel. S'il se dit, si tu aimes la Russie, si tu dois tout faire pour dégager ce peuple et faire en sorte que le peuple russe soit heureux, un peuple russe heureux, ben ceux qui pourraient rendre les Russes heureux, là, ils sont en prison, ils ont des couilles. Ces gens-là, il faut les respecter, quoi. Le type, il n'a pas eu peur, hein. Il a quitté Novotny, il a quitté Berlin, il est parti à Moscou, hein, sachant qu'on l'attendait, qu'on allait l'arrêter, hein. Navalny, là. Ce qui est une putain de pauvre, courageux, quoi. Allez, je vais vous montrer un truc marrant. Tu peux mourir, quoi. Ouais, oui. Tu vois ? La musique est un. Ah, on entend pas la musique. Non, parce que. Ah, ouais. Vous avez... Musique d'amour. Ah, ouais. Vous avez vu les textes là ? Je vous la remets. Voilà, voilà. Vous voyez là les cœurs, les. Il est content, Macron. Je t'aime, moi non plus. Vous avez vu. C'est Gainsbourg, ça, qui chantait ça. Ouais, ouais. Moi non plus. Ouais. Regardez le. Voilà. Elle est belle, cette image. Ah non, on n'exagère pas, on est même en dessous. Ben, Gamot trouve des gens en Russie capables de critiquer Poutine. En Russie, il n'y en a pas. Ils ont peur. Ils sont en prison, sinon. Poutine, il a fait de la place, hein, tu sais, en envoyant 60 et 80 000 prisonniers se faire massacrer ou blesser ou être amputés et sortir des prisons. Ben, c'est pour faire de la place. Hein. Allez hop, les opposants, on vous a fait 80 000 places. Quoi. Voilà. Donc. Ben, on verra bien, personne n'a la réponse de comment ça va se terminer. On ne sait pas comment l'industrie russe, à quel point elle est capable. Peut-être qu'elle nous donne une surprise, je veux dire, je vais pas sous-estimer, mais c'est vrai que ils sont en train de mettre en place l'amélioration de tanks, bon, c'est ce qu'ils disent aussi, mais ils doivent faire quelque chose parce que leur armée a été décimée, avec des hommes surtout qui, au début, qui étaient des valeurs comme militaires, pas de la chair à canon, des gens qui connaissaient, voilà, des professionnels. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui dirige l'armée quand on est au pied, quand on est dans le dans la forêt, d'accord, parce que là, et c'était un peu, on voit que c'est un peu la pagaille. Soledar, oui, ça a été pris, mais ça combien de temps ils ont fait pour ça a été des semaines pour prendre une petite ville de 10 000 habitants. Ça leur a coûté des hommes et des hommes et des hommes pour une petite ville, un petit terrain de 10 000 habitants. Ne me vendez pas Soledar comme s'ils auraient pris Kiev. Ou Kherson, encore une fois, c'est ça. Bakhmout n'est pas encore prise. Il y a encore les combats et ils sont pas rentrés les Russes encore à Bakhmout. Hein? Vous, il y a eu des batailles là-bas. Vous, une ville qui se commence par V-U-L, Voulmehar ou un truc comme ça. Et là, ça chauffe, mais les Russes n'avancent pas. Donc oui, il y a une offensive. Oui, les Ukrainiens parfois doivent reculer, mais c'est des petits reculs. C'est pas l'abandon de toute une zone comme Kherson. Voilà, la proportion est très différente dans les reculs, qu'ont fait les Russes avec les petits reculs que de temps en temps. Mais il faut reculer pour se regrouper, pour laisser peut-être avancer et les laisser qu'ils rentrent comme dans une bourse et que tu puisses attaquer par les. Les tactiques guerrières sont très compliquées et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et de quel matériel et hommes
disposent chacun dans les zones. Donc c'est clair. C'est clair. Ouais. Et c'est pas pour être anti-russe, mais cette guerre, il l'aurait gagnée avant un an, quoi. Et là, dans deux semaines, ça fera un an que la guerre est là, quoi. Ça veut dire que les Russes, il faut qu'ils attaquent à fond et qu'ils gagnent. Sinon, c'est parti pour un an de guerre supplémentaire. Et cette fois-ci, avec un an d'expérience du côté des Ukrainiens, un an de... Ils sont partis de loin, ils sont partis de bas. Oui, je vois des images avec des mauvaises dates. Oui, bien sûr, mais ça, on fait attention, Gamo, on fait attention à tout. On a une expérience maintenant que... Les dates... Regardez la date, quoi. On sait quand ça date ou pas. Elles ne sont jamais immédiates. On ne poste jamais là où on est en train d'attaquer pour dire à l'ennemi, regardez, on est là en train d'attaquer. Ça a toujours peut-être une semaine de délai. C'est clair. Oui. Parce que sinon, ça a été un truc qui a été dit et redit à l'armée. Attention, ce que vous postez, ne postez pas en direct. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, clairement, ça a un délai et il y a des choses que, des fois, c'est des compilations et des dates. Mais à peu près, on voit le temps que ça a pris. Prendre une petite ville de 10 000 habitants pour la deuxième armée du monde, c'est ça ce qui nous choque. C'est pas si c'était l'Ukraine contre... je sais pas, la Biélorussie ou un truc comme ça, bon voilà, on pourrait, l'Ukraine contre la deuxième armée du monde, c'est ce qui nous choque, c'est que depuis un an, ils n'ont pas été capables, c'est ma copine, donc, je reviens. Oui, depuis un an d'affrontement, quoi, où il y a eu les premières semaines, où il y a eu la Blitzkrieg. Les Ukrainiens y croyaient pas, les Américains leur disaient si ça va attaquer, et bon bien entendu quand tu te fais attaquer tu t'y attends pas face à une armée qui est énormément supérieure à la tienne, ils ont su résister, ils ont su repousser les Russes, ensuite ils ont passé un printemps et un été où ça a tapé, où ça s'est un peu rééquilibré à certains endroits, mais à d'autres, on voyait bien que les Russes étaient supérieurs. Puis petit à petit, ça s'est équilibré jusqu'à même carrément envoyer deux offensives, une au nord, qui a changé le cours de la guerre, vu qu'ils ont quand même récupéré près d'un millier, écoutez bien le chiffre, près de un millier de... Et moi, je me disais, mais attends, c'est quoi? C'est des vieux trucs tout pourris, mais ils vont les réparer. Ils n'étaient pas tout pourris. Ils étaient piégés, peut-être. Attends, ils n'étaient pas piégés. Il y avait des trucs. Il n'y avait rien, quoi. Ils étaient prêts à l'emploi. Il y avait des munitions avec pour plusieurs semaines, pour chaque véhicule. Mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi cette armée, quoi? Les Ukrainiens, ils lançaient une offensive avec des troupes inférieures et au final... avec tout ce qu'ils ont gagné, c'est que c'est pas qu'ils ont eu des pertes, c'est que c'est la première fois que je vois quelqu'un faire une bataille, même du temps de Napoléon, ça se faisait pas ça. Ils ont fait une bataille, même les Anglais, quand ils quittent comment ça s'appelle, la Pas-Calais, l'offensive sur ils détruisent le matériel quoi avant de partir. Là, ils ont rien détruit. Les Ukrainiens, quoi, ils ont récupéré des centaines et des centaines de véhicules, quoi. Là, ils se sont dit, allez, c'est parti, la guerre, ça va continuer, quoi. On a du matos en trop, là, on sait plus quoi en faire, mais on va s'en servir. Mais, l'impression qu'ils ont fait exprès, quoi. Ils ont fait exprès, ils voulaient que la guerre dure, les Russes, peut-être. Ils se sont dit, les Ukrainiens font pas le poids. On va leur filer un peu de matériel et comme ça, ils ont filé quand même pas loin, un peu plus de 500 chars d'assaut, des chars lourds et des centaines et des centaines de véhicules légers en tout genre, quoi, véhicules blindés, blindés légers, avant blindés,
blindé de l'avant, blindé de l'arrière. Enfin, c'est la folie, quoi. Je crois que c'est Gerasimov ou Lapine qui avait fait la connerie, là. Il avait viré. Et quel homme politique de ce nom peut se battre avec salut Juju. Oh là là. Ouais. Non, j'ai mis un truc. Ah. Allez, je vais mettre ça en, à, pour... ça date du... Le tweet est du 1er février, mais voilà. C'est le papier des ATGN, surtout des modernes javelins. Javelines, ouais. Les javelines qui a été... dans l'artillerie ukrainienne et la contention des offensives et supériorité numérique des Russes. Allez, je vous mets la vidéo. Je vous mets le son parce qu'il n'y a pas de musique. C'est, il parle en ukrainien, donc voilà. Ça, c'est pour Gamo, pour que... voilà. Je chante avec Gamo. Bref, non, je... Gamo, tu es le bienvenu, même si on n'a pas beaucoup les mêmes idées, mais débattre, c'est toujours bien, et voilà. Ben, je vais te taquiner un peu. Voilà. Pardonne-moi, c'est mon côté mémé. Non, on pouvait être content, on avait évoqué des réponses. Ah ouais. Oh, il est parti. Hein. Ouais. Alors là, on ne sait pas où c'est. Yeah. Voilà, ils sont contents. Oui, oui, voilà, on tire un deuxième. На зв'язку, на зв'язку. Бачимо, вже працюємо. Давай, 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 вниз. Пострел відбувся. C'est pas le même. Plus. Ah. Bon, voilà, c'était. Je veux dire, ils font avec les moyens du bord, mais ils reçoivent. Un matériel oui. Plus moderne que ce qui est en face, quoi. Voilà. Ouais. Alors là, c'est une vidéo de la République tchèque. Attention, les Tchèques, c'est des gens qui ont une très préparés. Hein, c'est peu, et donc, c'est le procès de modernisation des tanks T-72B pour les forces ukrainiennes que l'entreprise Excalibur est en train de réaliser dans la République tchèque. Donc, je vous mets, elle dure très peu la vidéo, mais vous voyez un peu, toi qui aimes voir un peu les chars. Ouais. Et là, je vous montre. Donc, c'est peut-être vieux, mais c'est mis à jour. Hein? Exact, ouais. Et ça, c'est très important. Dans le Bonjour Freddy Balencia, ça faisait longtemps, Freddy, que je te voyais pas, c'est un plaisir. Salut Freddy, il a perdu son chat, le pauvre. Il a perdu là là. Ouais, il y a un mois et demi, le pauvre. Il y a un beau chat, le pauvre. Ouais. Salut Freddy, courage et force à toi, mon ami. Courage. Et oui.
Mais c'est vrai que c'est une guerre de chars et d'infanterie, non, cette guerre, Oui. c'est... Salut Juju, exactement. Hein. Très Domenico Castiglione. peu d'aviation. Bon, les Ukrainiens ont très peu d'aviation. Ils Ouais, ménagent et ils en ont perdu aussi. Mais... mais avec le matériel anti-aérien, la DCA qu'ils ont, les Russes, ils sont un peu coincés avec ça. Ils pensaient avoir la supériorité dans le ciel, mais bon, avec les missiles tu vois, qui arrivent, qui sont déjà là, hein, les Stinger et compagnie. Tu sais, quand ils ont envoyé peut-être leurs vieux avions, les Russes, et finalement non, quoi. Surtout pas les vieux avions, ils vont tomber un par un, quoi. Il y a Julien aussi qui nous a rejoint. Salut Ouais, Julien. ça y est, je Et suis. donc voilà. C'est vrai que les Ukrainiens, ils se battent Mais eux, ils seront après. des patriotes. Ouais. Oui, c'est Ils ça sont ce qui va tellement faire la patriotes. différence. Quand ça va arriver, c'est ça le problème. Quand ça va arriver, Ouais. surtout cette munition qui peut stopper. À n'importe quel avion russe. Hein. Oui. Ou même des missiles assez costauds, même t'attaques. Ouais. Là, pour les Russes, c'est que des mauvaises nouvelles. Hein. Si la guerre continue dans 6 mois, le matériel côté ukrainien n'est plus le même. Il va y avoir toute une génération même qui sera armée d'armes occidentales, quoi. Donc, Non, c'est pas le dernier cri, mais putain, il y a un gars qui lui est arrivé une couille vers chez moi, quoi. Attends, je t'envoie ça, tu vas rigoler, quoi. mais aujourd'hui, on ne sait pas. Je crois que ce printemps, ça va être comme le printemps tchèque. Ouais. Je veux dire, ça va être chaud, un printemps chaud et que beaucoup de choses vont se décider dans L'après printemps, ouais. un ou 2 mois. Ça va. Sans oublier, le problème, c'est qu'à partir du mois de mars, on revient à la Rasputitsa. Aussi. Mars, avril, on revient au printemps, là où. Donc, les Ukrainiens, aussi, d'une certaine façon, doivent foncer. Est-ce qu'ils peuvent foncer maintenant ou préparent pour plus tard? Il y a beaucoup de questions qui sont très difficiles à répondre, mais qui sont, à un moment donné, très importante, et on ne voit pas vraiment la balance aller d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que c'est pas bon signe, hein, quand il y a pas de. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Et pour le foot alors, Marseille, Maria a battu le PSG. Et Marseille est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et si tu gagnes la Coupe de France, tu vas C'est la en petite. Champions League ou en Non, Europa League? Europa League. C'est pour ça qu'il faut Oui, mais il terminer dans pourrait aller les. en Champions League, hein, le Marseille est deuxième. Oui, par contre, en étant deuxième en championnat, là, tu vas directement en Champions League. Le troisième, il passe par des matchs barrage à la con, qui font que tu peux tomber sur un gros et c'est lui qui va et pas toi. Alors que si tu es deuxième, hop, tu vas directement. Donc Marseille est deuxième, il me semble, en championnat. On a sorti le PSG, on est en quart de finale, on va tomber contre une petite équipe, Épinal, je crois, un truc comme ça, vraiment une toute petite équipe. Hein. Bon, on sait jamais, des fois, une petite équipe. Tu vois.
Oui, elles n'ont rien à perdre, donc et tout à gagner. Donc oui, mais bon, Marseille, voilà. L'expérience pour ça, ouais. Oui. Normalement, ben, ils sont en demi-finale. Normalement, je croise les doigts, on ne sait jamais. Mais normalement, ils sont en demi-finale de Coupe de France. Ce qui veut dire qu'une petite victoire en demi-finale, hop, t'es en finale, paf, tu gagnes le match. Coupe de France. On en a 10 déjà, ça nous en fera 11. Et championnat, pareil, je crois, on en a 10. Voilà, championnat, c'est pas la peine, quoi. C'est Paris. Hein. Enfin... Mais Mbappé manque. Hein. La première réaction de l'entraîneur parisien a dit que voilà, quand Mbappé n'est pas là, ça ne va pas. Putain, quand tu as l'équipe que Galtier a face à une équipe française en coupe, tu ne peux pas te dire il manque Mbappé, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Tu n'as pas joué contre Chelsea, tu as joué un match de Coupe de France. C'est sérieux, Galtier, quoi, tu aurais dû te taire. Mais quand l'entraîneur commence à donner des excuses comme ça, c'est pas bon. En plus, c'est pas bon pour l'équipe. C'est-à-dire, tu es en train de dire que ton équipe, c'est une merde. Et elle coupe, elle coûte combien de millions elle est, si on devait acheter l'équipe entière, combien de millions on devrait donner? Mais si il y a des joueurs excellents au PSG et dénigrer de cette façon, ouais, il n'y a pas Mbappé, on est foutu. C'est jamais Ancelotti qui dirait ça. Ça, c'est un journaliste qui peut le dire, tu peux, voilà, tout ça, mais pas l'entraîneur. Parce que quelle figure tu fais face à Messi? Messi va te dire, mais toi, moi, je suis champion du monde, ballon d'or, mais qu'est-ce que tu me parles, toi, et toi, qui tu es? Quels sont tes qu'est-ce que tu as gagné, toi? Ouais. Tu vois, donc, si le PSG, après, ça peut donner une surprise, hein, le PSG, combien d'équipes ont mal commencé? Bon, maintenant, ils doivent jouer contre le Bayern. Mbappé ne veut pas être là-bas, hein, apparemment. Ouais. Ouais, il sera pas là et Neymar, je sais pas dans quelle forme il est. Enfin, faudrait que nos amis du PSG nous le disent, mais ça va être chaud. Ouais. Ça va être chaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. Neymar, je crois qu'il a le blues. Ouais, il sent pas bien, quoi. Ouais, et Messi, bon, moi je crois que Messi il est fatigué. Il a fait un gros effort. Et bon, maintenant, quand tu arrives, il doit reprendre la forme d'une certaine façon. Et je veux dire, pour lui, pour la Ligue, voilà, il se garde un peu pour la Ligue des Champions, pour briller là où il faut briller. Et je crois que Messi, d'une certaine façon, il regarde la Ligue 1 un peu par-dessus, tu vois. C'est comme si c'était pas vraiment lui plus important, comme tu vois, un peu sous-estime, voilà, tu vois, en sous-estimant un peu la Ligue 1, donc ils donnent pas non plus le top du top. Je crois qu'ils vont aller au Bayern. Ouais, ouais, ouais. Donc Messi et Neymar lunaire. Ouais, pas très. Ouais. Saint-Germain, ils n'ont pas recruté Messi, mais Jean-Marc Messi, ouais, c'est pas le même Messi du Barça. C'est peut-être ça. Et c'est une équipe qui a des clans, qui n'est pas soudée. Il y a beaucoup de choses dans cette équipe qui ne font pas d'elle une équipe à la base gagnante. Ouais. Exactement. Et salut Khabib qui dit le championnat français, le championnat des ennuis. Le championnat français, les ennuis, quoi. Ah ouais. Moi je suis contente pour l'OM et on a beaucoup d'amis de l'OM. Bon, Rezeg, ouais, il est du PSG. Ouais, j'allais dire. PSG. Mais moins qu'avant quand même. Ça fait des années qu'il a. Bah, c'est ce qu'il dit, peut-être qu'en vérité il est dégoûté, mais bon, waouh.
Ah, si le PSG gagne la Ligue des Champions, il va venir en live, mettre en string à Aziz comme un fou. Oui, il est du PSG, mais c'est vrai que des fois c'est déception après déception, un peu, et on voit que l'équipe, elle n'est pas encore au top, mais c'est vrai que beaucoup viennent d'un mondial, ils sont fatigués, ils ont donné, c'est fatigant un mondial, c'est beaucoup de matchs à la suite, Messi c'est pas non plus un jeune gamin, donc ils sont un peu fatigués et ils soufflent un peu dans la Liga, ils ne donnent pas peut-être les championnats. Vous savez, il y a des équipes en Espagne, la Coupe du Roi, nous, c'est notre championnat d'Espagne, elle s'appelle la Coupe, la Copa del Rey, la Coupe du Roi. Il y a des fois, on sait qu'il y a des équipes, on a vu, comme le Real Madrid ou le Barça, qui avaient un calendrier très chargé de matchs et peut-être des matchs importants dans la Ligue ou dans la Champions League, et en plus des matchs là où tu allais jouer dans des stades pas croyables, et que en plus on pouvait te blesser un joueur important, tu sais, pour un match du roi qui ne te donne que la Europa League, je veux dire, pour le Real Madrid, le Barça, c'est pas ça ce que tu aspires, c'est pas la Europa League. Donc ils ont, c'est pas qu'ils ont perdu, mais ils envoyaient là, la deuxième division. Et donc si on perdait, dommage, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on va se concentrer dans la Champions League, qui est le plus important. Et je risque d'avoir tous les matchs, je risque d'avoir des blessés, et je peux pas me permettre que un tel ou un tel se blesse pour un match qui se joue avec une équipe de deuxième ou troisième division. Oui, on voit. Oui, Freddy Valencia, Manchester doit répondre à 100 chefs d'accusation. Ils vont peut-être quitter la première division. Tu crois qu'ils vont quitter la première? Moi, j'y crois pas. Je crois qu'ils sont trop puissants pour quitter la première division. Qui dépend, qui leur voit, qui veut leur qui peau. Veut la peau. Ouais. Ouais. Après, mais peut-être comme la Juve, perdre 15 points ou 20, tu sais, ça peut-être. Mais après, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils vont être relégués à deuxième division ou ça peut perdre des points ou rien? Aucune sanction? Là, ça prend du temps, parce que tu dois répondre à des chefs d'accusation, mais vous savez que la justice est lente, et quand tu payes, elle devient encore plus lente. Dans ces endroits-là, c'est pas la justice. Parce que c'est pas la justice ordinaire, non? C'est la justice interne de la Première Ligue, un truc comme ça. C'est ça, c'est pas la même chose. Mais Maria, moi je vais te laisser, Sorette. Je vais aller manger. On va y aller. Beau live, Jojo. Regardez depuis le début. Si vous n'avez pas vu, c'est l'important, un live important. Jojo, on se voit demain après-midi. Le matin, je serai en compétition. Demain après-midi ou dimanche, on parle. D'accord? D'accord, ça marche. Bisous à tout le monde. Merci d'être là. Ciao, les amis. Ciao, bon appétit. Amis. Bon appétit. Ciao, ciao, la famille. Ciao. Ciao, tout le monde. Bon appétit. Mangez bien. Merci, Freddy, Habib, Domenico, toute la Fafa. Je vous embrasse fort. Et réécoutez un peu ce que disait. Salut, amiable. Bis. Prenez soin des vôtres et embrassez tout le monde et écoutez bien ce que nous disait notre ami Thierry. Et voilà. Ciao à la famille. Ciao.